La gloire de Dieu va être manifeste. Bien-aimés, nous allons passer des moments extraordinaires du 27 au 31 décembre. Tous les soirs, à partir de 19h50, nous aurons nos plénières. Alléluia. Et dans la journée également, il y aura des activités, des talk shows de toutes les structures de l'Église. Ça va juste être extraordinaire. Vous savez, lorsque de pareils moments sont annoncés, il faut se préparer. Dis avec moi, se préparer. Lorsque le peuple d'Israël allait à la rencontre du Seigneur, il se préparait. Alléluia. Alors, ne viens pas à cette conférence ou à ce programme comme par coutume, comme par habitude. Mais viens à ce programme t'attendant à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. Durant cette semaine, j'aimerais que tu te dises en toi-même, comme avait dit cette femme qui était atteinte de la perte de sang, elle va dire, si et seulement si je peux toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Alléluia. Alors pendant tout le long de cette semaine, alors que tu seras en train de venir à ce programme, dis-toi en toi-même, si et seulement si je vais à ce programme, assurément j'entendrai la voix de Dieu me parler. Assurément je recevrai une orientation. Assurément je recevrai quelque chose qui va m'aider, me propulser en 2023. Alléluia. Alors sans plus tarder, nous allons élever nos voix. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ces moments. Est-ce que tu peux élever les mains vers le ciel et dire merci à Dieu pour ces temps? Oui Seigneur, nous venons te dire merci enfin pour cette première plénière, cette première rencontre de ce soir. Nous croyons, Éternel, comme cela a été dit ce soir, que là est le cadavre, là les vautours s'assemblent. Seigneur, là où tu es, là où tu as ton intérêt, c'est là que les enfants de Dieu doivent être. C'est pourquoi, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, je viens te rendre grâce. Parce que, Seigneur, ce temps, ce programme, Éternel, est une convocation solennelle où tu convoques tes enfants afin de communiquer une pensée, afin de communiquer ta pensée, afin de communiquer une parole, afin de relâcher une grâce, afin de relâcher la guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oui, notre Dieu, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te rendons grâce pour ces temps qui ont été annoncés et pour lesquels nous sommes préparés, Seigneur. Nous te bénissons parce que nous savons que tu vas faire des choses extraordinaires, parce que nous savons que tu vas faire de grandes choses, Père, pendant tout le long de cette conférence. C'est pourquoi nous voulons t'élever, c'est pourquoi nous voulons te glorifier, c'est pourquoi nous voulons fixer nos yeux vers toi et nous voulons dire comme cette femme qui souffrait de la perte de sang, si et seulement si je peux toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Seigneur, ce soir, d'un commun accord, nous voulons dire si et seulement si, si et seulement si nous venons à ce programme, si et seulement si nous y participons, si et seulement si nous fixons les regards vers toi, Seigneur, nous entendrons ta voix, nous entendrons ta révélation, nous comprendrons ta parole, nous comprendrons la direction dans laquelle tu veux nous conduire dans notre destinée, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, tu es vivant, tu es puissant, tu es grand, sois honoré dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, encore une fois de plus, nous voulons soumettre ces endroits, cet endroit entre les mains de Dieu. Nous voulons soumettre cet endroit sous le contrôle de Dieu. Alléluia. Nous voulons déclarer des paroles afin que le règne de Dieu s'y établisse et que nous puissions voir des choses en ces lieux que nous n'avons jamais vues auparavant. Que Dieu puisse déverser en ce lieu une nouvelle mesure durant tout le long de cette conférence. Élevons la voix et prions maintenant dans le nom de Jésus, Éternel, notre Père. Seigneur, nous venons soumettre cet endroit à ton contrôle. Nous venons déclarer que c'est ici l'endroit où tu vas faire éclater ta gloire. C'est ici l'endroit où tu vas manifester ta puissance. C'est ici l'endroit, Éternel, où tu vas nous bénir, où tu vas bénir ton peuple. C'est ici l'endroit où tu vas parler. C'est pourquoi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons, Éternel, soumettre sous ton autorité cet endroit et que tout esprit qui ne confesse pas ta gloire, qui ne confesse pas toi, ta seigneurie, soit simplement chassé, expulsé
expulsés de cet endroit dans le nom de Jésus. Nous venons neutraliser toute puissance du monde des ténèbres, Seigneur, contre cette conférence à tous les niveaux, que ce soit dans l'organisation, que ce soit, Éternel, auprès des ouvriers qui sont en train de travailler, que ce soit auprès des chants, que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau des orateurs. Nous venons, Éternel, détruire toute œuvre de l'ennemi, toute œuvre de sorcellerie dans le nom de Jésus contre ses assises. Et nous appelons ta gloire, et nous appelons ton règne, et nous appelons, nous établissons ce lieu, ton autorité. Nous déclarons qu'à cet endroit, nous allons vivre des miracles. Nous déclarons qu'à cet endroit, nous allons vivre des guérisons. Nous déclarons qu'à cet endroit, il y aura des réponses. Nous déclarons qu'à cet endroit, il y aura des victoires. Nous déclarons qu'à cet endroit, il y aura des révélations. Nous déclarons qu'à cet endroit, le joug de la servitude va être brisé. Nous déclarons qu'à cet endroit, ton peuple va être libéré. Nous déclarons qu'à cet endroit, ta gloire va éclater. Nous déclarons à cet endroit, nous déclarons à cet endroit, oui, des miracles rares. Nous déclarons à cet endroit, oui, ta volonté s'établit dans le nom de Jésus. Nul n'est comme toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Yes. Alléluia. Alors c'est dans cette atmosphère que nous allons commencer par des temps de louange, des temps de joie, des temps de réjouissance. Je laisse donc le groupe Teilo Teila nous conduire. Alléluia. Est-ce que tu veux encore élever ta voix avec moi ce soir pour dire au Saint-Esprit que ton règne vienne, que ton règne vienne dans ce lieu, qu'il s'établisse dans ma vie, que ta volonté soit faite au milieu de nous, qu'elle soit faite tout au long de cette conférence, comme elle est faite au ciel. Élève ta voix encore quelques instants et dis-lui, Seigneur, je ne veux pas être privé de ta grâce. Je ne veux pas être privé de ta grâce. Ne me laisse pas sortir de ces temps tel que j'y entre. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à ton toucher, Seigneur. Oh, oh. Que ton règne vienne. Oui, dis-lui, dis-lui. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, qu'elle soit faite pleinement accomplie dans ma vie comme elle est faite au ciel. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Oui, chante-le, chante-le de tout ton cœur. Oh notre Dieu, oh notre Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, oh notre Père, oh notre Dieu, dis-lui encore. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ta volonté soit en notre paix. Oh, nous soupirons après toi, Esprit de Dieu. Ce soir, nous te laissons prendre toute la place ce soir, Esprit de Dieu. Oh notre Père, oh notre Père, oh notre Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté
nous soumettons à ta volonté. Nous nous soumettons à ta volonté. Nous voulons voir ta gloire.
Est-ce que tu peux faire plus que ça? Est-ce que tu peux faire plus que ça? Est-ce que tu peux acclamer plus fort le Dieu qui t'a donné la vie, le Dieu qui t'a gardé jusqu'ici, tout au long de cette année 2022, jusqu'à ce jour, et qui permet que dans sa grâce, tu puisses te tenir dans l'assemblée des saints, oui, pour le louer, pour l'élever. Son nom est élevé au-dessus de tous les noms. Il est le plus grand. Alléluia, c'est le nom qui sauve. C'est le nom qui guérit. C'est le nom qui délivre. Oui, nous voulons l'élever. Pour qui il est, pour qui il est. Nous voulons élever Yahweh, le grand je suis. Nous voulons élever Yahweh, celui qui vit éternellement, qui était, qui est, et qui demeure de toute éternité. Il demeure Dieu. Oui, il demeure Dieu, son nom est Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, 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 tu es le plus grand au-dessus de tout. Est-ce que tu peux le chanter ce soir? Oui, et le proclamer de tout ton cœur. Yahweh, tu es au-dessus de tout. Ah, dis-le, dis-le encore. Yahweh, 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 Yahweh. Tu es au-dessus de tout. Yeah.
émerveillé par l'éclat de ta beauté, Père. Au-dessus de tout, au-dessus.
au-dessus de la mort. Tu es élevé au-dessus du diable. Tu es élevé au-dessus de toute la puissance de l'ennemi. Oui, car tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms. Et à ce nom, tout genou fléchit, tout genou fléchit, tout genou fléchit, tout genou fléchit. Dans les cieux, sur la terre, sous la mer. Oui, tu es élevé, oui, au-dessus de tout. Oui, nous le proclamons, nous le confessons. Oui, tu l'es. Dis-le. Tu es élevé. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Au-dessus oui, dis-lui, dis-lui, dis-lui. Quelle est cette difficulté à laquelle tu es confronté? Quel que soit son nom, je veux t'inviter ce soir à proclamer que Jésus-Christ est élevé au-dessus d'elle. Jésus-Christ est élevé au-dessus de cette circonstance. Oui, quel que soit son nom, dis-le ce soir, proclame-le ce soir. Il est celui qui tient ta vie dans sa sûre main. Et sa parole me dit que rien, absolument rien ne pourra t'en ravir. Rien, absolument rien ne pourra te séparer de son amour. Oh, il ne permettra pas que tu sois dans la confusion. Non, 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 non. Mais il se lèvera. Oh, le dernier jour, même le dernier jour, il se lèvera pour toi. Il se lèvera pour toi. Oh, proclame-le alors ce soir de tout ton cœur et dis, Seigneur, tu es élevé, tu es élevé. Oh, au-dessus de tout, tu es élevé, tu es élevé. Au-dessus de tout, au-dessus de tout, tu es élevé, tu es élevé. Au-dessus de tout, au-dessus de tout. Genoux fléchis. Alléluia. C'est le nom que la terre entière proclame. Le nom du roi des rois. Le nom de celui qui règne au-dessus de tout nom qui puisse être nommé. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Hey. C'est le nom de Jésus, mon sauveur. C'est le nom de Jésus, mon Seigneur et Maître. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Hey, my essence. Toute langue confesse.
puissance lui appartient, oui. Et il est le souverain, souverain maître. Assis sur le trône, il règne.
Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le Dieu tout-puissant. Celui qui sauve, celui qui relève, celui qui délivre, celui qui bénit, celui qui restaure, celui qui guérit, celui qui accomplit ses promesses, celui qui dit une chose et la chose s'accomplit. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est allé aux enfers, il est allé prendre les clés de la mort, il est ressuscité d'entre les morts. Son nom c'est Jésus. Celui qui délivre des liens de la mort, celui qui opère des miracles, celui qui fait des grandes choses, son nom c'est Jésus. Et Rabakarabashébras, quel privilège nous avons d'avoir ce nom, Seigneur, ce nom que tu nous as donné. Quel privilège que nous avons d'avoir reçu le nom puissant de Jésus, le nom devant qui tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur, le nom qui donne la vie là où il y avait la mort. Éternel, le nom de Jésus donne la vie là où il y avait la sécheresse. Le nom de Jésus donne la vie là où les personnes étaient courbées. Le nom de Jésus relève. Là où il y avait la mort, le nom de Jésus ressuscite. Là où c'était paralysé, le nom de Jésus relève. Au nom de Jésus, là où c'était retardé, le nom de Jésus fait avancer. Et alléluia, là où c'était retardé, le nom de Jésus fait accélérer. My God, là où il y avait la maladie, le nom de Jésus apporte la guérison. Alléluia, là où il y a le nom de Jésus, tout autre nom s'écarte et le nom de Jésus prend place. Oh my God, là où il y a le nom de Jésus, tout autre nom s'écarte et le nom de Jésus prend place. Bien-aimé, lève-toi dans la présence de Dieu, lève-toi dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous allons reprendre cette partie. En ce lieu, Jésus. Alléluia. Bien-aimé. Alléluia. Alors que tu es en train de dire en ce lieu, Jésus, tout autre nom que tu connaissais là est en train de laisser place au règne du nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Alors que tu es en train de dire en ce lieu, Jésus, là où il y avait les chaînes sont en train d'être brisées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, s'il y avait le nom d'une maladie, le nom d'un cancer, le nom d'une pathologie quelconque, ce soir, c'est le nom de Jésus qui est élevé. Oh my God! Là où il y avait la pauvreté, le nom de Jésus laisse place pour la richesse. Oh Seigneur! Yes! Oh! Jésus règne! Oh,
que Jésus. Yes. En ce lieu, Jésus. En ce lieu, Jésus. En ce lieu, Jésus. En ce lieu, Jésus. Hey, Rabarabas. Rabakayababos. Rebarabakayababos. Kerama cerebrasa. Dans ma famille, c'est Jésus. Dans mes projets, c'est Jésus. Dans ma destinée, c'est Jésus. Dans mon travail, c'est Jésus. Dans mon église, c'est Jésus. Partout, c'est Jésus. Que je me lève, c'est Jésus. Que je dorme, c'est Jésus. Que je sois en mouvement, c'est Jésus. Tout en moi, c'est Jésus. Oh my God, alléluia. Tout en moi, c'est Jésus. Que je travaille, c'est Jésus. Que je chante, c'est Jésus. Que je saute, c'est Jésus. Que je crie, alléluia, c'est pour Jésus. My God. Que je sème dans ta maison, c'est pour Jésus. Que je te serve, c'est pour Jésus. 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 Alléluia. Rebarabras. Rebarabras. Kerebas. La Bible déclare, celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Celui qui invoquera le nom du Seigneur Jésus, il sera sauvé. Bien-aimé, il ne s'agit pas du salut qu'avait pensé Marthe, le salut de la venue de Jésus-Christ. Marthe s'était tellement projetée loin. Alors qu'il s'agissait de Lazare qui devait ressusciter tout de suite. Alléluia. Il s'agissait de Lazare qui devait ressusciter tout de suite. Bien aimé, nous allons faire une chose avant de passer à un autre moment. Nous allons crier Jésus. Nous allons le faire trois fois. Alors que tu es en train de crier Jésus, tu penses à cette parole. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oh, alléluia. Tu as besoin du salut. Tu as besoin d'être sauvé dans un domaine particulier. Tu as besoin de t'attendre à la main de Dieu dans une situation particulière. Tu as besoin de t'attendre à la main de Dieu. Alors nous allons obéir à la parole. Nous allons invoquer Jésus. Alléluia. Peut-être que tes détracteurs sont en train de te poursuivre. Nous allons seulement invoquer Jésus. Nous n'avons que Jésus. Alléluia. Peut-être qu'il y a une maladie qui te tourmente. Nous allons seulement dire Jésus. Jésus sauve encore aujourd'hui. Jésus sauve encore aujourd'hui. L'histoire de Jésus n'est pas une affaire d'hier, mais c'est une affaire d'actualité. C'est une affaire du temps présent. Alléluia. Nous allons pour la première fois crier Jésus. Alors que tu cries Jésus, pense à ton salut. Pense à ta délivrance. Je vais compter jusqu'à 3. À la troisième fois, nous allons dire Jésus et nous allons refaire le même exercice 3 fois. Alléluia. 1, 2 et 3. Jésus. Yes. Hey, karamasherabras, karabrakarabas. Nous allons le faire pour la deuxième fois. 1, 2, 3. Jésus. La Bible dit, quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Alléluia. De la même manière qu'il disait, voyez de vos yeux la délivrance d'Israël. Voyez de vos yeux ce soir votre salut à votre porte, à votre portée, dans le nom de Jésus. Nous allons le faire pour la dernière fois. Alors cette fois-ci, tu vas crier Jésus sans t'arrêter. Tu vas crier Jésus avec tes tripes. Tu vas crier Jésus avec une sainte colère. Tu vas crier Jésus. Alléluia. Alléluia. 1, 2 et 3. Jésus. Le
Le ciel est ouvert ce soir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la présence de Jésus? Alléluia. Nous ne sommes pas des fanatiques. Nous ne sommes pas des fanatiques. Nous ne faisons pas que du bruit. Mais nous prononçons le nom de Jésus qui sauve. Alléluia. Amen, amen. Alors pour toutes celles et ceux qui nous ont rejoints encore ce soir, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette conférence Perspective 2023. Que dit Dieu? Alléluia. J'aimerais rappeler à chacun de nous que cette conférence n'est pas suivie que dans ce cadre. Nous avons plusieurs nations qui actuellement sont connectées en ligne et nous suivent. Nous avons plus d'une trentaine de nations qui sont connectées à ce programme et qui sont en train de suivre ce programme. Alléluia. Gloire à Dieu. Notre Dieu est bon. Il est tellement bon. Alors on va faire quelque chose. J'aimerais que tu puisses partager le live à celui qui n'est pas à tes côtés, à celui qui n'est pas sur place, pardon. Prends ton téléphone. Tu es autorisé pendant une minute à ouvrir ton téléphone. Tu peux le prendre. Alors tu vas partager ce live. La Bible dit, veillez à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu. Alléluia. Il y a une grâce de Dieu ici, n'est-ce pas? Nous avons lu ce verset de Matthieu 24, verset 28, qui dit, là est le cadavre, là les vautours s'assemblent. Là où Jésus a son intérêt, là se retrouvent ses enfants. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alors nous allons partager. Tu vas prendre ton téléphone, tu vas envoyer le lien dans un groupe, deux groupes, trois groupes, WhatsApp, sur YouTube. Tu vas partager, tu vas communiquer ce lien. Est-ce qu'on peut le faire tous ensemble? Alléluia, je vois encore des personnes qui ont les mains croisées. À moins que tu n'aies pas de téléphone, mais j'aimerais vraiment t'encourager à faire cet acte, parce que tu ne sais pas, assurément une personne va être bénie par ton intermédiaire. Assurément tu vas être une source de bénédiction pour quelqu'un. Alléluia. Amen, amen. Alléluia, est-ce qu'on peut le faire? Gloire à Dieu. Qui a déjà commencé à partager? Alléluia, gloire au Seigneur. Merci Jésus. Alors, est-ce qu'il y a des personnes ici qui nous visitent pour la première fois? Tu as été invité par quelqu'un par rapport à ce séminaire. Un frère, une sœur t'a convié à cette réunion et tu es là pour la première fois. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois? Oui, tu peux te lever, on acclame le Seigneur. Gloire à Dieu pour notre bien-aimé frère. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont là? Alléluia, vous avez été invités, vous êtes là pour la première fois. Alors j'aimerais vous dire que cette conférence ne porte pas que sur les enfants de Dieu. Cette conférence porte sur toute personne qui a un souffle de vie. Alléluia. Cette conférence concerne toute personne qui porte en lui ou en elle un souffle de vie. Vous savez, nous sommes dans un contexte assez particulier, un contexte difficile, un contexte où les crises sont annoncées, les guerres sont entendues de part et d'autre, on nous annonce l'austérité, la pauvreté, des choses qui font quand même peur. Et j'aimerais aussi vous rappeler que ce n'est pas pour la première fois que ces choses arrivent. Les temps de crise ont existé dans des temps bibliques, les temps difficiles ont existé dans des temps bibliques. Il y a eu même des temps de crise de la parole, où la parole de Dieu se faisait rare. Alléluia. La parole de Dieu se faisait rare. Mais nous avons, au travers de ce programme, vraiment cette opportunité d'entendre ce que Dieu dit Dieu. Donc ici, bien aimé, la parole de Dieu est annoncée. Alléluia. Alléluia. Alors pendant tout ce séminaire, attends-toi à recevoir vraiment de la part de Dieu. Attends-toi parce que Dieu a suscité des hommes et des femmes, des orateurs puissants qui vont nous bénir pendant toute cette conférence. Alors pour mon bien-aimé frère qui est venu pour la première fois, à la fin du culte, à la fin de cette conférence, voilà, tu peux te rapprocher vers nous, te rapprocher de moi à la fin, là devant, nous allons nous entretenir avec toi. Alors, comme je disais que tout à l'heure, au début de à mon introduction,
cette conférence connaît la participation de plusieurs personnes. Nous avons des délégations qui sont venues de partout, des gens qui sont venus d'autres pays, qui sont venus assister à cette conférence. Alléluia. D'autres arrivent durant la semaine. Nous avons appris qu'il y a des personnes qui vont prendre leur billet d'avion, d'autres qui viennent de l'intérieur de la France, qui vont parcourir justement les trajets pour venir assister à cette conférence. Alléluia. Nous avons aussi des étudiants pasteurs. Cette partie, je vais laisser la primeur à notre pasteur principal, voilà, pour pouvoir présenter, accueillir nos bien-aimés étudiants pasteurs qui sont venus du Gabon. Alléluia. Et on va les honorer de façon spectaculaire et particulière. Alors sans plus tarder, je vais donc inviter le prophète Sosthène Mabouadi, le pasteur principal de cette église, pour nous introduire l'orateur de ce soir et nous présenter, accueillir avec nous les nouveaux, les personnes qui sont venues du Gabon. Merci pasteur Adel. Bienvenue à cette énième édition de la conférence prophétique du Nouvel An. Je vous sens vraiment en forme, hein? Je sais qu'on est maintenant en période hivernale, mais le feu du Saint-Esprit est ici. Amen. Alléluia. Avec une telle atmosphère, est-ce qu'on peut faire une grosse ovation au groupe Teila, s'il vous plaît? Pour le travail, vraiment, vous ne pouvez pas imaginer les heures qu'ils passent à faire le travail qu'ils doivent rendre. Durant les réunions, durant les cultes, ce sont des heures et des heures de travail, de répétition. Et quand je parle de Teila, je parle de tous les chantres, parce que les chantres ne sont pas seulement ce que vous voyez sur l'estrade en train de chanter. Donc, dans les chantres, il y a les chanteurs, il y a les conducteurs de louanges, il y a aussi les musiciens, il y a les techniciens qui sont les régisseurs de son, etc. Tous forment l'équipe de louanges, donc tous sont des chantres. Et dans les réglages du son, au niveau de la technique, c'est un travail laborieux. Vous ne pouvez pas imaginer, ce n'est pas facile. Donc je voudrais vraiment que nous puissions ovationner le groupe Teila, voilà, le pasteur Toussaint, tous les musiciens et les techniciens, la chef de chantre Fanny Gravet, tous les chantres, chanteuses, conducteurs, conductrices de louanges. Alléluia, gloire à Jésus. C'est important de célébrer les dons que Dieu nous a faits. On l'a encore appris dimanche. C'est important de reconnaître et de célébrer les talents que Dieu nous a faits. Et dans cette optique, j'aimerais vraiment que nous puissions honorer le père visionnaire de cette œuvre. Vous savez que nous sommes dans une œuvre appelée Esprit et vie. On est dans la mission apostolique. Voilà, la mission apostolique Esprit et vie. Et cette mission apostolique, nous ne sommes pas nous, mon épouse et moi, les fondateurs. C'est un couple. Que beaucoup peut-être ne connaissent pas parce que ce sont de nouvelles personnes arrivées dans l'église, mais que vous allez apprendre à connaître parce que c'est un couple que nous sommons chaque fois de venir nous visiter au moins une fois tous les deux mois. Mais bon, on continuera les sommets jusqu'à ce qu'ils reviennent nous visiter au moins une fois par mois. Il s'agit bien entendu du couple apostolique André et Chantal Larue. Ils vont se tenir debout un instant. Alléluia, pour que vous puissiez les voir. Gloire à Jésus. Nous vous honorons pour votre consécration d'avoir répondu à l'appel de Dieu. Parce que si vous n'aviez pas répondu à cet appel, nous ne serions pas là aujourd'hui. Les églises civiles n'existeraient pas. Donc tout le monde va s'asseoir, sauf eux, ils vont rester debout pour qu'on les voit encore bien. Voilà, c'est parce qu'ils ont obéi à Dieu qu'aujourd'hui les églises civiles existent. La mission apostolique Esprit et Vie est le ministère apostolique de l'apôtre André Larue et son épouse Chantal Larue qui ont pour vision donc de créer, de fonder comme tout apôtre des églises et dans leur cas centre d'évangélisation Esprit et Vie. Donc les églises civiles sont des assemblées créées par le ministère apostolique Esprit et Vie. Alléluia. Nous vous bénissons pour votre présence et durant toute cette semaine vous aurez l'occasion également de pouvoir parler au peuple de Dieu, de pouvoir effectivement faire la connaissance de tous les fils et les filles, parce que à ce qui semble sur le plan spirituel, il n'y a pas de petits-fils et de petites-filles, il n'y a pas de grand-père spirituel, il n'y a pas de grand-mère spirituelle. Donc vous êtes les patriarches, on est tous vos fils et vos filles spirituelles. Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Voilà, vous pouvez vous rasseoir dans la présence de Dieu. Dans cette même dynamique, après
nous avoir engendré, nous aussi on a engendré. Vous savez, c'est comme Isaac engendra, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra, etc. Vous voyez? Donc voilà, ils nous ont engendré. Nous avons également engendré des fils et des filles, dont les aînés, hein, qui ne sont plus à présenter, mais dans ce contexte particulier, nous tenons à les présenter solennellement. Hein, vos aînés dans la foi, il s'agit ici du docteur Victor Bumono Mukumi, avec son épouse Pamela Bumono Mukumi. Alléluia. C'est juste extraordinaire. Lorsqu'on voit le fruit, on voit le fruit. Oui, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame. On acclame le Seigneur pour leur vie. Amen. J'ai appris aussi. Hein. Vous restez debout? Ok, donc voilà, ce sont, je les appelle les aînés parce que ce sont eux qui ont commencé aux côtés de l'apôtre André le ministère avec nous. Ce sont vraiment les, c'est le premier ministère qu'on a engendré. Il a été ici avec nous. Il a tout fait dans cette église, l'auteur Victor. Il a tout fait. Il a même fait jusqu'à la menuiserie, jusqu'à la tapisserie, jusqu'à la construction de, voilà, du temple. Il a tout fait. Il a été avec le pasteur Nina. Ils ont été les pionniers du groupe Louange Teila. Je me souviens encore, le pasteur Nina et lui conduisaient la louange quand on a commencé l'église. En même temps, ils jouaient aux instruments. Vous savez, je vous ai toujours dit, hein, quand le pasteur Nina est venu dans l'église, elle m'a trouvé, pas ici, hein, mais au Gabon. Quand elle s'est convertie, elle m'a trouvé, moi déjà converti, mais de ce quoi en train de conduire la louange en jouant à la guitare. Je le précise. Pourquoi? Parce que ce n'est pas facile. Ils peuvent me confirmer ici, pasteur, tout ça, n'est-ce pas? Chanter en jouant à un instrument, ce n'est pas facile. Ça veut dire que quand quelqu'un chante déjà en jouant à un instrument, c'est qu'il a atteint un niveau. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Donc, ils étaient deux, pasteur Nina et lui, qui conduisaient la louange, formaient les chants, etc. Et après, et l'école des disciples, voilà, les évangélisations dans les rues, les visites, les délivrances, on faisait les délivrances ici, là. Hein? Tu t'en souviens, madame Lanois? Il est où, c'est monsieur Lanois, Michael? Monsieur Lanois, Michael, il est où? Il est en haut, là-bas. Tu as épousé le produit fini. Nous, on faisait les délivrances, là. Hein? On commençait à 21h vendredi, on finissait à 12h samedi. Mais c'est parce qu'il y avait plusieurs personnes, pas plusieurs de moi. Ils étaient nombreux, mais ils ne pouvaient pas résister. Donc, je l'ai enrôlé. J'ai dit, toi, tu prends un groupe. 20 personnes à délivrer en une nuit. Si tu prends un groupe de 10 là-bas, moi, je prends un groupe de 10 ici, je donne les instructions prophétiques, et puis, hop, c'est parti, on chasse les démons. Quand une personne est délivrée, on prie pour la personne, elle reçoit le baptême du Saint-Esprit, on l'enrôle, on dit, maintenant, toi, tu vas nous aider à délivrer aussi les autres. C'est vrai, n'est-ce pas, apôtre? Mais oui, mais c'est comme ça que les Bassara, les Banadèges, hein, ont été délivrés, transformés. Maintenant, après, on voit des gens comme Michael Anno qui arrive, qui rencontre Sarah, qui dit, j'ai trouvé la femme. Ah! Offrande du Père, viens ici, là. Hein? Grégory Aline, il arrive, il dit, voilà, j'ai trouvé femme. C'est qui, femme? Nadège. Tu connais comment ça cette affaire? Je vous ai dit, ici en France, on ne demande pas la dot. Il n'y a pas de souci. Si le père naturel ne demande pas la dot, le père spirituel va prendre la dot. Quelqu'un ici a clamé le Seigneur. Alléluia. Donc, on a fait tout ça avec le docteur Victor jusqu'à comment Dieu l'a élevé dans l'église. Vous savez comment ça s'est passé? Parce qu'il était là, vraiment, Dieu l'a élevé, l'a distingué. C'est vraiment le fruit de sa consécration, de son obéissance à Dieu. Et aujourd'hui, maintenant, ils sont établis au Gabon comme étant les pasteurs chargés de la mission apostolique d'implantation des églises cibles au Gabon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Le docteur Victor Bumono et son épouse Pamela Bumono, et qui se feront également le plaisir de nous bénir durant cette conférence. On acclame Dieu pour leur vie. Alléluia. Actuellement, plusieurs églises de cibles ont été créées déjà au niveau du Gabon, en commençant par Libreville, cibles Libreville. Il y a cibles Port-Gentil maintenant, cibles Franceville. Il y a d'autres cellules qui se forment, d'autres ecclésioles qui sont en train de se former, qui vont devenir effectivement des églises plus tard. Nous bénissons le Seigneur pour leur vie. Alléluia.
Et ils ne sont pas venus seuls, ils sont venus avec une délégation d'étudiants pasteurs qui ont suivi le cursus de formation pastorale durant 3 ans et qui vont être donc bien pressés, compressés, comme de véritables citrons pour sortir tout le jus qu'ils ont, s'il en reste encore, après les 3 années de pression, pour que nous puissions effectivement éventuellement savoir s'ils peuvent être établis pasteurs stagiaires ou doivent-ils revenir pour la prochaine saison. Donc, ils sont nombreux. Je ne vais pas tous les citer. Je me reste à demander qui se lève. Vous les connaîtrez lorsqu'on va les présenter samedi 31 à 15h lors de la cérémonie de remise des diplômes. Donc, est-ce que la délégation du Gabon peut se tenir debout, s'il vous plaît? On acclame le Seigneur pour leur vie. Gloire à Jésus. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue à Cibordeaux pour rencontrer le Dieu d'amour. C'est lui qui change la tristesse en joie. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue à Siva. Nous souhaitons la bienvenue à tous Siva. Gabon, bienvenue à Siva France. Bienvenue à Siva Bordeaux. Encore une dernière fois. Bienvenue. On les accueille chaleureusement. Vous pouvez vous rasseoir dans la présence de Dieu. Gloire à Jésus. Vous devez connaître ce chant qui a été contextualisé et personnalisé pour les besoins de l'œuvre ici en France. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous honorons également la présence ici d'un homme de Dieu que vous connaissez déjà, qui a eu l'occasion de nous bénir durant ces 2 derniers dimanches, qui revient également du Gabon, qui est le pasteur et docteur Aymar Pierre Mouniengue-Vava, l'un des grands frères du pasteur Nina, que nous honorons encore une fois de plus. Alléluia. Gloire à Jésus. Et bien entendu, il n'est plus à présenter parce que durant les matinales de prière, durant les cultes du dimanche, ces derniers temps, on a été vraiment abreuvés par l'eau de la parole qui coule de sa source. Simplement, on n'a pas de mots. Que Dieu te bénisse, toi et ta famille, et qu'il fasse prospérer ce qu'il a mis en tes mains, l'œuvre de tes mains, et que voilà, les nations également soient au bénéfice de ce ministère. Je crois que ta présence ici en France, en pareille circonstance, n'est pas un hasard. Et Dieu a un plan, et Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Okay? On acclame le Seigneur pour leur vie. Je te rassois. Amen, amen. Et nous avons également la présence d'un autre de nos fils. Okay, je vous ai présenté, ils sont nombreux. Hein, okay. Là, je vous présente les ministères établis. Okay. Après, au fur et à mesure okay, que les ministères vont s'établir, vont évoluer, vous apprendrez à découvrir l'éclosion des talents qu'il y a, une telle richesse dans cette église, dans ce ministère. J'aimerais ici que nous puissions honorer le pasteur de l'église Siv Libourne avec son épouse. J'ai cité le couple Arcelin et Sandrine Ovono et là de Siv Libourne. Alors, restez debout. Arcelin Ovono est là, est là. Sandrine Ovono est là, est là. Ça veut dire que Siv Libourne aussi est là. Et durant cette conférence également, nous allons avoir la joie de féliciter tous ceux également de Siv Libourne qui ont suivi les formations, particulièrement le cursus pastoral, et qui vont également recevoir leur diplôme samedi, s'ils restent sages, s'ils demeurent sages. Okay. Et ils font un travail excellent. Je me souviens encore que lorsqu'on a commencé la cellule, quand je suis allé pour la première fois ouvrir la cellule, c'était à Koutra, à quelques 15 minutes de Libourne, il a appris que j'allais ouvrir la cellule, il a dit, pasteur, je viens avec toi. Dès le premier jour, il a vu comment j'ai procédé, comment ça s'est passé. Et depuis lors, il s'est investi dans cette œuvre du côté de Libourne. Et lorsque le Seigneur m'a dit, maintenant, il est temps que tu puisses passer le flambeau, évidemment, il était la mieux placée, la personne la mieux placée pour continuer
Et je l'ai passé le flambeau et on a vu le travail qu'il a fait. Il a développé la cellule et aujourd'hui, cette cellule est devenue une église établie en plein centre-ville de Libourne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Alléluia! Je ne sais pas comment il s'arrange, mais partout, à chaque fois que nous déménageons, lui aussi déménage et il déménage toujours à côté de nous. C'est toujours dans le même quartier, dans la même commune. Ce n'est pas calculé, hein, mais c'est bizarre, mais c'est Dieu qui fait ça. Alléluia. Gloire à Dieu. On acclame le Seigneur pour leur vie. Amen, amen, amen. Voilà, je pense que j'ai présenté tous les officiers. Je n'oublierai pas le pasteur Jean-Pierre Kabangou, hein, que vous connaissez déjà, qui revient de mission depuis un moment de Toulouse, qui est allé donner un coup de main là-bas. Et vous savez que s'il va ouvrir aussi à Toulouse. Qui est au courant qu'il y a maintenant s'il va à Toulouse? Il faut prier pour Siv Toulouse. Si vous avez de la famille là-bas, des connaissances à Siv à Toulouse, n'hésitez pas de les orienter. S'ils cherchent une bonne église, s'ils sont rétrogrades, n'ont pas Christ, ou qu'ils recherchent une bonne église, vous les orientez vers Siv Toulouse. C'est l'un des meilleurs endroits indiqués pour eux. Ok, voilà. Et puis vous savez très bien également que Siv a ouvert du côté de Paris, n'est-ce pas? Voilà. Donc actuellement, nous avons mandaté le couple Lannoy comme missionnaire pour la cellule de Siv Paris qui a commencé. Est-ce qu'on peut également ovationner le couple Lannoy, Sarah et Michael, hein, qui font un excellent travail là-bas également. Okay? Voilà. Et pour ceux qui nous suivent depuis les îles, depuis la Guyane, il y a une cellule de Siv qui a commencé en Guyane, du côté de la ville de Manamana. Voilà. Manamana, dans une langue de chez nous, ça veut dire... on en finit. On va exterminer, on va en finir. Donc là-bas, ça va être Manamana. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Jésus. Je pense que j'ai fait le tour des officiels. Okay? Donc on va se tenir de bon instant. Je vais réintroduire l'oratrice de ce soir. Oui, tout le monde pensait que c'était moi. Non. On va se tenir de bon instant, s'il vous plaît. Alléluia. Gloire à Jésus. Durant cette période... souvent, c'est moi qui intervenais, j'étais le seul intervenant. Mais pour cette conférence de fin d'année et de début d'année, de nouvel an, Dieu a permis qu'il y ait plusieurs intervenants, dont notamment l'une des personnes que vous aimez dans cette assemblée. Okay. Le pasteur Radel a lu un texte, celui de Luc chapitre 17, verset 37. Je le préfère dans la version Louis Segond. Original, classique, parce que c'est un peu plus proche des textes originaux, un peu comme Darby. Darby encore l'est mieux. Mais il dit, là où ça semble, là où il y a le corps, voilà. Là où il y a le corps, là ça semble les aigles. Les aigles se nourrissent du corps. Or, le corps, c'est quoi? Le corps de Jésus, dans la parole de Dieu, est assimilé au pain venu du ciel. Ça veut dire que le corps dont il s'agit ici, c'est le pain descendu du ciel. Et ce pain, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la première dimension de révélation. Deuxième dimension de révélation dans ce texte, c'est que les aigles, s'ils aiment manger le corps, c'est parce qu'ils se nourrissent du sang et de la chair. Et vous comprenez pourquoi Jésus a dit que celui qui veut me suivre maintenant, qu'il mange de ma chair, qu'il boive de mon sang. Ça, c'est encore tout un autre enseignement. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça veut dire qu'à chaque rassemblement de ce type, Dieu considère que nous sommes des aigles et que ce qui est là au milieu de nous, ce qui nous rassemble, ce autour de quoi nous nous ressemblons, c'est la parole de Dieu. Et dans cette parole, il y a la chair et le sang de Christ. Et donc quand nous recevons la parole de Dieu, nous recevons le sang de vie, le sang de la vie, le sang de l'agneau. Nous recevons la vie qui est contenue dans cette parole. Nous recevons également, nous mangeons également la chair, c'est-à-dire que nous sommes en communion avec le corps. Dis à ton frère à côté, tu es un aigle. Je vois en toi un aigle. Je ne sais pas la consistance du repas de ce soir, mais ce que je sais, c'est que ce repas étant la parole de Dieu, c'est un corps autour duquel nous sommes rassemblés, nous les aigles. Et comme les aigles se nourrissent du sang et de la chair, nous allons nous délecter ce soir. C'est pour cela que Dieu a choisi une personne triée sur le volet
pour nous enseigner ce soir. Et qui de mieux qu'une mère pour nous communiquer la vie? Car tout homme est né d'une femme, même si les hommes ont été les premiers à avoir engendré. Ça, c'est encore un autre enseignement, je fais me rappeler la parenthèse. Mais tout homme est né d'une femme. Et elle va t'appeler la mère qui donne la vie de tous les vivants. C'est pour cela que je crois que cette conférence est prophétique. Je vois en cela un signe prophétique qui montre que l'année 2023 va également, entre autres, être une année d'enfantement. Je vois plusieurs naissances, nouvelles naissances, nouvelles naissances, nouvelles naissances. C'est pourquoi nous avons la joie de recevoir ici la maman de cette assemblée locale, parce qu'on a la maman de la vision, c'est la maman Chantal, mais la maman de la maison locale ici. Okay. On va appeler ici le pasteur Nina Lisette Mabouadi, que nous honorons, que nous accueillons chaleureusement. Alléluia, gloire à Jésus. Welcome. Woman of God, on te cède la place. Bénis le peuple de Dieu tel que Dieu t'a inspiré et qui t'inspire encore ce soir. Que Dieu t'utilise. Alléluia. Que notre Dieu soit béni ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Jésus mérite mieux que ça. Alléluia. Pousse un cri de joie, Église. Il mérite la gloire. Il mérite nos hommages. Que son nom soit béni ce soir. C'est une joie de voir les ministres de Dieu de cette mission rassemblée. Vous savez, à un moment donné, cette partie solennité mettra une heure, parce qu'on en aura des pasteurs et des pasteurs et des pasteurs qu'on présentera. Alléluia. De la famille Esprit et Vie, j'aimerais qu'on acclame le Seigneur encore une fois. Notre Dieu est un bon Dieu. Alors moi, en tant que pasteur administrateur, j'ai la charge de présenter les pasteurs qui travaille à nos côtés, le pasteur principal a présenté les pasteurs de CIV à l'international et les pasteurs assistants. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour tous nos pasteurs stagiaires, les pasteurs Aline, les pasteurs Tali, les pasteurs Makinou, le pasteur Johanna Wanzin. Je ne sais pas si j'ai oublié un pasteur. Que le nom du Seigneur soit honoré ce soir pour chacune de vos vies. Et avant de partager la parole ce soir, j'aimerais honorer moi aussi mon pasteur. Celui que le Seigneur a positionné dans ce lieu. Si Jean-Baptiste a dit qu'il n'était pas digne de délier la courroie des souliers de Jésus, moi je suis seul digne de délier la courroie de ses souliers. J'aimerais qu'on honore le pasteur principal de cette assemblée, le pasteur Sosthène Mabouadi. Pousse un cri de joie pour mon mari, s'il vous plaît. Que le nom du Seigneur soit béni ce soir. Je suis fière de servir le Seigneur à ses côtés. Je bénis le nom du Seigneur parce qu'il a écouté le Seigneur, il a obéi à sa voix. Lorsque nous sommes rentrés dans le ministère, il y en a qui nous ont dit, on a entendu parler du fait que vous avez été consacré, relâché pour servir le Seigneur. Où est-ce que vous êtes maintenant? Et à certains disaient, on répondait à tous qu'on était avec l'apôtre André Larue et son épouse Chantal. Et à chaque fois, on avait deux réponses. Il y en avait qui disaient, mais pourquoi est-ce que vous êtes allé là-bas chez André Larue? Et il y en a d'autres qui disaient, c'est qui André Larue? Et c'est un honneur pour nous aussi, tous les deux, de servir à leur côté. Vraiment que Dieu vous fasse du bien pendant cette conférence internationale du Nouvel An. Et j'aimerais vraiment qu'on honore le Seigneur Jésus qui a appelé ses serviteurs. Qu'on acclame Jésus, lui qui mérite la gloire, la louange. Élève ta voix ce soir et rends grâce au Seigneur pour sa parole. Rends grâce à Dieu pour sa présence. Bénis le nom de Dieu pour ces temps. Élève ta voix et dis au Seigneur que je refuse de sortir de ces temps
la même personne. Seigneur, visite-moi ce soir. Alléluia. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Alléluia. Erebose kayama santoche. Élève ta voix et dis au Saint-Esprit ce soir, donne-moi de suivre la voie. Que ton nom soit élevé ce soir, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur.
bienvenue, Saint-Esprit. Élève le nom de Jésus, son nom est Yeshua. Le nom de Jésus. Yerebo Santa, pousse un cri de joie, Christ. Élève le nom de Jésus. Oh, merci, Saint-Esprit. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Merci, Saint-Esprit. Bienvenue dans cette conférence. Glorifie le nom de Jésus. Nous nous soumettons à ton programme, Seigneur. Non pas ce que nous voulons, Seigneur, mais ce que toi tu veux pour ces temps. Que la sainteté de ton nom soit reconnue dans ce lieu, Seigneur. Que ton nom soit béni au-delà. Que ton nom soit béni au-dessus de tout nom. Que toute la gloire te revienne, Père. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame Jésus. Vous rasseoir dans la présence du Seigneur. Son nom est saint, son nom est digne. Jésus mérite la gloire. Jésus mérite la louange. C'est une lourde responsabilité que d'introduire cette conférence. Année après année, nous voyons combien Dieu opère, combien le Seigneur agit au milieu de nous, combien sa grâce se déploie à travers cette conférence internationale du Nouvel An. Nous bénissons Dieu pour les œuvres qu'il nous donne de voir, qu'il nous fait connaître, mais nous bénissons aussi le Seigneur pour ses voix. La Bible déclare qu'il a fait connaître ses œuvres aux enfants d'Israël, mais il a fait connaître ses voix à Moïse, parce que Moïse recherchait sa face. Moïse voulait entendre Dieu lui parler, alors il se retirait à chaque fois pour pouvoir rechercher la pensée du Seigneur par rapport au peuple qu'il est en train de conduire dans le désert. L'objectif du Seigneur, c'était que ce peuple rentre en possession du pays de Canaan pour qu'il puisse lui rendre un culte au-delà du désert. L'objectif, ce n'était pas le désert, c'était Canaan, rentrer en possession de cet héritage. Alors nous bénissons Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Alors j'ai vu des internautes qui étaient en train de demander à ceux qui puissent voir les pasteurs, les délégations qui étaient présentées. Le multimédia a eu un problème juste au moment où vous deviez voir ces personnes. Priez pour l'équipe du multimédia. Elle fait un travail extraordinaire. Elle propage l'évangile à travers les nations. Comme vous l'avez entendu ce soir, en début de soirée, on avait une trentaine de nations. Le Seigneur veut parler à des peuples et des nations. Alors priez, priez. Vous savez, quand on fait des réunions de travail, on voit parfois les commentaires des internautes, les chrétiens, là, vous qui recevez la parole. Il faut prier au lieu de se plaindre. Il faut prier parce que la parole de Dieu, lorsqu'elle est relâchée, vous savez, le diable se lève. Mais nous croyons que notre Dieu est puissant pour agir. Et l'objectif de Dieu, c'est vous faire connaître sa pensée pour 2023. Et s'il faut introduire ces temps, il faut que l'on se pose la question de savoir ce que c'est qu'une perspective. Une perspective, c'est la manière dont ou l'aspect selon lequel on envisage quelque chose. Quand on parle de perspective 2023, que dit Dieu? C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu dit de 2023? Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous par rapport à 2023? Qu'est-ce que Dieu perçoit pour 2023? Alléluia. Demande à ton voisin, est-ce que tu sais ce que Dieu perçoit pour ta vie pour 2023? Perspective 2023, que dit Dieu? C'est-à-dire que le Seigneur est en train de regarder déjà. Il est au sommet sur le phare et il regarde loin. Il regarde déjà votre vie au 31 décembre 2023. Dieu sait déjà ce que vous allez vivre jour après jour dans cette année. C'est pourquoi c'est important de connaître
son conseil. Et durant toute cette conférence, Dieu va nous parler. Le Seigneur va nous encourager, il va nous instruire, il va nous conseiller, il va nous montrer la voie à suivre. Alléluia. Alors que nos cœurs soient tout ouïs, que nous puissions nous préparer. Il y en a qui, lorsqu'ils ont une conférence, ils préparent leur maison, ils font tout pour qu'il y ait tout en ordre, ils préparent leur costard et tout, ils préparent leur tailleur, ils préparent tout ce qu'il faut. Il y en a qui traversent les villes, les nations pour pouvoir se retrouver dans des conférences, mais parfois ils ne préparent pas leur cœur. Et Dieu parfois parle. Ils sont tellement pressés d'être à l'église qu'ils ont tout fait pour que leur corps soit présent, mais pas leur esprit. Ce qui fait que lorsque Dieu leur parle, eh bien, ça passe parfois au-dessus de leur tête. Et ils sortent de la conférence vraiment le cœur plein d'émotions. Oh, c'était extraordinaire. Franchement, on a vécu des temps extraordinaires. Alors, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Mais ils ne sauront pas vous dire ce que Dieu leur a dit. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout fait pour que leur corps soit présent, mais pas leur esprit. Ma prière, c'est que chacun sorte de ces moments avec la pensée du Seigneur pour son année 2023. Alléluia. La pensée de Christ pour sa famille, la pensée de Christ pour ses affaires, la pensée de Christ pour son couple, parce que Dieu parle encore aujourd'hui. Amen, amen. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu au chapitre 11. Matthieu chapitre 11, au verset 2. La Bible déclare, Jésus ayant entendu parler dans sa Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Amen, amen. Le peuple d'Israël était à la croisée des chemins. Le peuple d'Israël se retrouve au milieu, en face d'un prophète, parce que Jean-Baptiste était plus qu'un évangéliste, c'était un prophète qui faisait la transition entre les deux testaments, entre les deux peuples. Alors que Jean-Baptiste attend l'arrivée du Messie, avant même qu'il ne vienne, déjà lorsqu'il est dans le sein de sa mère, lorsque le Seigneur parle de sa vie, la Bible dit qu'il viendra pour préparer le chemin du Seigneur. Il sera comme Élie au milieu de cette nouvelle génération. Et lorsque le Seigneur parle de Jean-Baptiste, il parle de celui-là qui sera la voix qui va crier dans le désert, préparer le chemin du Seigneur. Jean-Baptiste était là pour annoncer au peuple de Dieu que le Messie que vous attendez arrive. Et lorsqu'on voit à un moment donné de sa vie, alors qu'il est sous le poids de la persécution, il est un peu comme troublé, pas qu'un peu, il est troublé. Et là, il demande à ses disciples d'aller poser la question à Jésus. Et il lui fait dire, est-ce que c'est toi qui dois venir ou devons-nous en attendre un autre? Israël était à la porte d'une nouvelle saison, comme nous aujourd'hui. On est à l'aube de 2023 et on s'attend à ce que Dieu fasse quelque chose. Israël était à la porte d'une nouvelle saison. L'arrivée de Jésus venait complètement changer la vie du peuple d'Israël, quand bien même certains n'étaient pas informés que le Messie était déjà parmi eux. Et lorsque Jésus répond à Jean-Baptiste, il dit à ses disciples d'aller lui dire, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Qu'est-ce qu'ils entendaient? Qu'est-ce qu'ils voyaient? La Bible rajoute donc, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Il leur dit, allez-y dire à Jean-Baptiste ce que vous voyez, ce que vous entendez et ce que vous voyez. J'aimerais vous dire ce soir que ce que Dieu, les perspectives que Dieu a pour votre vie en 2023 dépendent de ce que vous entendez aujourd'hui, ce que vous voyez aujourd'hui. Ce que vous avez entendu durant toute l'année 2022, ce que vous avez entendu durant toute cette année 2022. Et lorsqu'on voit la parole de Dieu, alors qu'ils repartent vers Jean, Jean est convaincu, il a la conviction maintenant que c'est Jésus, alors que c'est quelqu'un qui a introduit le Seigneur au désert. Il a parlé devant tout un peuple, des gens qui étaient en train de lui mettre même la pression. Il a dit, voici l'agneau de Dieu. Mais à un moment donné, il se retrouve troublé et dans le doute. Il dit, bon, est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce que finalement, alors qu'il a demandé au Seigneur un signe, le Seigneur lui a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre. Donc il a vu l'Esprit descendre. Et malgré cela,
il demande quand même à ses disciples d'aller voir le Seigneur et lui demander, mais au final, est-ce que c'est vraiment toi le Messie? Est-ce que c'est vraiment toi le Messie? Lorsque Jean a entendu le Seigneur parler, le Père parler, il avait cette conviction au-dedans de lui qu'il s'agissait du Messie. C'est pourquoi il a osé l'introduire au peuple. Lorsque Jean parle de Jésus, il ne parle pas de Jésus sur la base des émotions. Non, il est convaincu au-dedans de lui parce que l'Esprit de Dieu lui parlait. Et il y en a beaucoup comme ça durant leur année 2022. Vous avez reçu des paroles de la part du Seigneur. Alors que vous étiez en train de recevoir ces paroles, le Seigneur est en train d'imprimer en vous une forte conviction. Que ce soit par rapport à votre travail, votre famille, votre mariage, vos études. Et alors que les mois sont en train de passer, les semaines sont en train de se succéder, parfois pour certains vous vous posez la question encore de savoir si c'est vraiment Dieu qui a parlé et si ce qu'il a dit surtout va se réaliser. Pendant 2022, quels sont les objectifs que vous avez mis en place? Qu'est-ce que vous avez posé comme objectif? Votre année 2023 en dépendra. Qu'est-ce que vous avez arrêté comme objectif en 2022? Qu'est-ce que vous avez entendu le Seigneur vous dire? Perspective 2022, que dit Dieu? Parce que c'est un cycle dans lequel nous sommes inscrits. Donc, qu'est-ce que Dieu vous a dit en 2022 avant d'entrer en 2023? Quel est le point que vous faites aujourd'hui sur ces objectifs que vous êtes fixés en 2022? Qu'est-ce que le Seigneur vous a dit qui s'est accompli? Qu'est-ce que le Seigneur vous a dit qui reste à s'accomplir? Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Dans le plus profond de votre cœur ou par la bouche de quelqu'un, à travers la bouche de quelqu'un, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Le peuple d'Israël, alors qu'il était en Égypte, il entendait des choses lui aussi. Il voyait des choses. C'était un peuple qui était sous l'oppression de ses ennemis. Et lorsqu'on voit le peuple d'Israël, on voit un peuple qui était criblé au quotidien par ses ennemis. L'objectif de Pharaon, c'était de réduire à néant le peuple de Dieu. L'objectif de Pharaon, c'était de diminuer le peuple de Dieu et prouver à Moïse et à Aaron que ces magiciens étaient plus forts qu'eux, prouver à Moïse et à Aaron que les dieux que les Égyptiens adoraient étaient plus forts que leurs dieux. C'était l'objectif de Pharaon. Donc, au quotidien, Israël entendait des choses. Israël entendait des paroles qui les limitaient. Israël entendait des paroles qui les rabaissaient. Israël entendait des paroles de malédiction. Et pendant ce temps, au lieu que le peuple diminue, le peuple était en train de se multiplier davantage. Le peuple était en train d'augmenter. Et j'aimerais vous lire ce texte de Exode 12. La Bible déclare tous les enfants d'Israël. Exode 12, verset 50. La Bible déclare tous les enfants d'Israël firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Et ce même jour, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leurs armées. Lorsque j'ai lu ce texte, j'avais jamais fait attention à ce que ce verset 51 disait. La Bible dit que lorsque le Seigneur fait enfin sortir le peuple d'Israël d'Égypte, le Seigneur les fait sortir selon leurs armées. Vous vous rendez compte qu'en Israël, en Égypte, pardon, le peuple d'Israël était opprimé. Le peuple d'Israël était criblé, mais quand ils sortent de là, la Bible dit que Dieu les fait sortir selon leurs armées. Le peuple qui était en esclavage avait des armées, bien-aimés. Je prie que le Saint-Esprit ouvre votre esprit durant cette conférence. Parce que Dieu va vous dire des choses qui vont bouleverser votre entendement. Parce qu'en 2023, bien-aimés, les gens autour de vous vont constater que vous êtes quelqu'un de différent. Quelqu'un de surnaturel. Je vous assure, c'est votre partage pour 2023. Voici un peuple qui, depuis des générations, est rabaissé sous le pouvoir de l'Égypte. L'Égypte, à cette époque, était la plus grande puissance. Pharaon était le plus grand de tous les souverains sur la terre. Et pendant qu'ils étaient en train de réfléchir, Pharaon, lorsque vous lisez l'histoire d'Israël, Pharaon est en train de dire que ce peuple devient de plus en plus nombreux, il faut faire attention parce qu'à un moment donné, il risque de se rallier à nos ennemis pour nous détruire. Donc on va tout faire pour les opprimer, on va tout faire pour les rabaisser. Et pendant ce temps, la Bible déclare que le peuple devenait de plus en plus nombreux. Mais lorsqu'on voit combien le peuple de Dieu sort, comment le peuple de Dieu sort d'Égypte, la Bible nous révèle que le Seigneur le fait sortir selon les armées, c'est-à-dire armée après armée. Quand vous étudiez l'histoire du peuple d'Israël, vous vous rendez compte que chaque tribu était organisée.
Il y a des moments où les tribus d'Israël sortaient pour la guerre de façon individuelle. C'est-à-dire la tribu de Benjamin partait par exemple combattre et elle revenait. Et quand on savait tout de suite si la tribu avait gagné la guerre ou pas, soit les femmes sortaient avec des tambourins, des percussions et célébraient les guerriers, soit le drapeau, la bannière du peuple, de la tribu était rabaissée lorsqu'elle était battue. Donc il y a des moments comme ça où les tribus sortaient pour combattre. Et c'est quand vous revenez un peu plus en arrière que vous vous rendez compte que pendant que le peuple était opprimé, ce peuple dans le fond s'organisait quand même. Si Dieu les fait sortir par armée, ça veut dire que les armées étaient identifiées. Ce n'est pas au moment où ils étaient en train de sortir qu'on s'est posé la question de savoir finalement, est-ce qu'il y a des armées parmi nous? Non, il y avait tellement de pression que le peuple n'avait pas le temps de réfléchir, bien-aimé. Il n'avait pas le temps. La pression, il y avait un combat entre Moïse et tous les Égyptiens. Il y avait un combat entre les Moïse, Aaron et les serviteurs de Pharaon et les magiciens de Pharaon. Et quand il faut sortir le peuple était en train d'assister à tout ce qui se passait. Le peuple se demandait à quel moment est-ce que Pharaon allait lâcher prise. Dieu est en train de dire au peuple que vous allez sortir, mais il ne savait pas exactement quand, parce que Pharaon n'arrêtait pas d'endurcir son cœur. Il ne savait pas à quel moment la délivrance allait exactement intervenir. Mais pendant ce temps, le peuple était en train de s'organiser. Le peuple s'organisait. Et quand le Seigneur décide que c'est le temps, lorsque le Seigneur dit que maintenant vous devez sortir, la Bible dit qu'ils sortent armée après armée, selon les armées. C'est lorsque on lit ce texte, on se rend compte, on imagine Moïse en train de dire, armée des Benjamins, allez, des Benjamites, par tribu, armée de, par exemple, Judas, et chacun venait au fur et à mesure. Qu'est-ce que j'aimerais faire ressortir dans ce texte? C'est que lorsque vous êtes en train de vivre le plan de Dieu pour votre vie, quel que soit ce que vos ennemis ont arrêté, bien-aimés, Dieu va vous amener à rentrer quand même dans les choses qu'il a préparées d'avance pour vous. Ça ne dépend pas de vos ennemis. Ça ne dépend pas de votre famille, ça ne dépend pas du statut qu'on vous a donné dans la société, ça dépend de celui qui vous a appelé. Et pendant que nous sommes en train de rechercher la pensée du Seigneur, en parlant de perspective 2023, ce que le Seigneur est en train de vous dire, c'est que l'année qui précède, l'année que nous sommes en train de vivre, 2022, pendant cette année, il faudrait que vous fassiez comme une rétrospective. Parce que Dieu a investi des choses en vous que vous ne soupçonnez même pas. Je vous assure, si vous êtes encore debout aujourd'hui, c'est parce que Dieu a investi des choses en vous. Parce que le diable a tout fait pour vous détruire. Par la maladie, par des personnes qui vous entourent dans le travail, par des personnes qui ont voulu peut-être vous discréditer. D'autres, c'est peut-être que vous avez été empoisonné, mais vous êtes encore là aujourd'hui. Il y a certains, vous avez même été empoisonné. Vous n'êtes même pas au courant. Parce que Dieu vous a gardé. Pour certains, vous avez échappé à des accidents. Dieu vous a gardé pendant cette année 2022. Il y a des moments comme ça où dans la prière, vous êtes en train, vous sentez votre cœur débordant de reconnaissance, mais vous ne savez pas trop pourquoi, mais votre esprit est dans la reconnaissance. Parce que votre esprit est en contact avec l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu communique à votre esprit la pensée de Christ. Et dans le ciel, alors que Dieu dit, s'il y a un ange pour lui, un ange intercesseur, qu'il se lève en sa faveur et qu'il le délivre de la fosse. Il y a quelque chose qui s'est passé peut-être sur la route, vous ne le savez même pas. Mais alors que les anges intercesseurs vous ont épargné, le Seigneur dit dans le ciel que l'on célèbre Dieu parce qu'il a épargné quelqu'un. Et votre esprit ressent de la reconnaissance. Vous ne savez pas pourquoi. Vous chantez des cantiques, parfois vous ne savez pas pourquoi. Parfois j'ai entendu certains dire que je ne suis pas, mon cœur est débordant de joie, je ne sais pas. J'ai entendu d'autres dire même que je sens qu'on va m'annoncer une bonne nouvelle. Bien aimé, parfois la bonne nouvelle s'est déjà produite. Je vous assure, Dieu vous a parfois déjà délivré. Et votre esprit comprend ce qui se passe sur le plan spirituel. Et il est débordant d'allégresse, il est débordant de reconnaissance. Et le peuple d'Israël, lorsqu'il sort de ces temps, la Bible nous enseigne qu'ils sont en train de glorifier le nom du Seigneur. Ils sont en train d'élever le nom de Jésus. Et la Bible nous enseigne que lorsqu'ils sortent du pays d'Égypte, ils sont plus riches que lorsqu'ils sont rentrés. Un peuple en captivité, un peuple qui était là sous la domination d'un dictateur, alors qu'il est en train de tout faire pour diminuer, il a tué,
Il a tué toute une génération là. Alors que les femmes étaient en train d'accoucher, il était au courant qu'il y avait un Messie qui arrivait. Moïse devait arriver. Et il a donné ordre de détruire tous les enfants garçons qui devaient naître. À un moment donné, le Seigneur donne de la sagesse aux sages femmes. Et il dit, mais comment ça se fait que vous épargnez les Hébreux? Elles disent, non, ce n'est pas qu'on les épargne, mais c'est qu'au moment où on nous appelle pour dire qu'elles vont accoucher, avant même d'arriver, en fait, elles ont déjà accouché. Et la Bible déclare que Dieu a fait prospérer ces sages-femmes parce qu'elles avaient eu de la crainte pour Dieu. Elles ont fait en sorte que le projet de Dieu s'accomplisse. Bien-aimés, j'aimerais vous dire que Dieu a mis devant vous des hommes et des femmes qui parleront en votre nom, des hommes et des femmes qui vont tout faire pour vous couvrir, des hommes et des femmes qui vont vous protéger quand on voudra monter des complots contre vous. Vous ne serez même pas informés, mais c'est ce que Dieu fera en 2023 pour vous. Dieu le fera pour vous en 2023. Lorsqu'on voit l'histoire des enfants d'Israël, alors qu'ils doivent sortir, le Seigneur dit qu'ils aillent chez toutes ces personnes-là, les voisins, qu'ils aillent voir chacun leur voisin, qu'ils demandent des vases d'argent, des vases d'or. Remarquez que lorsque la Bible parle des riches, vous allez vous rendre compte quand la Bible parle des riches, la Bible ne parle pas des personnes riches en termes d'argent. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Quand la Bible parle d'un homme riche, dans la parole de Dieu, la Bible parle de son bétail, du nombre de ses brebis, de ses terres, les terres qu'il a acquises. La Bible ne parle pas d'argent. Pourquoi? Parce que la richesse ne dépend pas de l'argent qui est dans votre compte bancaire, mais votre richesse dépend de la capacité de multiplier ce que Dieu a mis entre vos mains. C'est pourquoi les gens se trompent, même quand ils montent des affaires. Ils se trompent. Il y en a qui mangent le chiffre d'affaires parce qu'ils pensent qu'ils ont gagné de l'argent. Non. Quand Élisée s'adresse par exemple à cette femme veuve qui est criblée de dettes, il lui dit « Qu'est-ce que tu as chez toi ?» Elle dit « Non, je n'ai rien. » Et lorsqu'il parle, il lui va demander à tous tes voisins des vases. Et il invoque Dieu et là, l'huile ne cesse de couler. Son fils ramène des vases et l'huile coule. Son fils ramène des vases et l'huile coule. À un moment donné, elle n'en a plus, donc l'huile arrête de couler. J'aimerais vous dire que quand vous êtes vide, Dieu vous remplit. Quand vous êtes plein, ben ça y est, il faut déverser pour que Dieu remplisse. Lorsque Élisée parle à cette dame, il lui dit, maintenant que tu as cette huile, va vendre. Tu vas vendre et ce que tu vas gagner, c'est ce qu'on appelle le chiffre d'affaires. Hein, ce que tu vas gagner, là, tu payes toutes tes dettes, tu règles tes charges. Ce qui restera, le bénéfice, eh bien, tu pourras vivre avec. Il y a l'entrepreneuriat dans la Bible. Hein? Les entrepreneurs. Et il y en a parfois qui se trompent comme ça. Quand ils vendent quelque chose, ils pensent qu'ils ont gagné, ils ont créé de la richesse. Non, pas forcément. Il faut d'abord régler vos charges. Ce qui reste, ce qu'on appelle bénéfice. Là, vous avez créé de la richesse. Et lorsque le Seigneur parle de ces riches, ces personnes riches, on voit la personne de Joseph. Lorsque la Bible parle de Joseph, dans Genèse 41, au verset 45, nous sommes en train d'introduire cette conférence. Genèse 41, au verset 45. Le Pharaon nomma Joseph Tsafnath Panéa, et lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra. Un prêtre donne, Joseph partit inspecter toute l'Égypte. C'est dans la version sommaire. La Bible dit que lorsque Joseph sort de prison, Pharaon est étonné, il est surpris de voir quelqu'un avec de telles compétences en prison. Il sort de prison, c'est lui qui interprète tous ses songes. Pharaon avait réuni tous ces magiciens-là, toutes ces personnes qui avaient la capacité d'interpréter des songes. Personne, il n'était pas satisfait. Quelqu'un pouvait lui mentir hein, et dire que vous savez, roi, maître, souverain, ce que tu as rêvé là, voilà ce que ça veut dire. Pharaon n'était pas convaincu de ça. Il y a quelque chose qui clochait. Il dit, trouvez-moi quelqu'un. Il y a quelque chose derrière ce songe qui n'arrête de se répéter. Trouvez quelqu'un. Et lorsque Joseph vient et il traduit, il interprète ce songe, et le Seigneur établit Joseph sur toute la maison, sur tout l'Égypte, comme gouverneur. Ce qui est extraordinaire, lorsque vous lisez ce texte, la Bible dit, le Pharaon nomma Joseph Tsafnath Panéa. En hébreu, la Bible dit que Pharaon lui donne ce nom en disant, ce vivant est l'approvisionnement de tout le pays. Ce vivant est l'approvisionnement de tout le pays. Pharaon n'est pas en train de parler des compétences de Joseph. Non.
Pharaon n'est pas en train de parler de ce que Joseph avait entre les mains, mais de sa personne. Pharaon dit que Joseph lui-même, la personne même de Joseph, est l'approvisionnement pour tout le pays. C'est-à-dire qu'il est en train de dire que désormais en Égypte, quand quelqu'un manquerait de quelque chose, Joseph serait la source dans laquelle il fallait aller puiser. L'approvisionnement de tout un pays. Il ne dit pas non, ses compétences vont servir, non. Il ne dit pas que ses compétences vont faire prospérer le pays, non. Il dit sa personne même, ce qu'il est. Qu'est-ce que Dieu a fait de vous en 2022? Vous savez, il y a des gens qui passent de conférence en conférence. Il faut que Dieu nous dise quelque chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé là avant? Qu'est-ce que Dieu a fait avant de passer en 2023? C'est le temps de s'asseoir et de compter les bienfaits du Seigneur, de réaliser ce que Dieu a fait et de pouvoir bâtir sur ce que Dieu a fait. On ne passe pas d'une année à l'autre et puis on abandonne ce qui s'est passé l'année d'avant. Non, c'est comme un escalier. On monte au fur et à mesure les marches. On n'enlève pas les marches qui sont en arrière. Non, elles restent toujours là. Il faut une marche au-dessus de l'autre pour qu'on passe à l'étage supérieur. Et c'est pareil. Ce que Dieu fait pour vous en cette année va être le fondement, va être le tremplin pour vous pousser à aller plus loin, à aller plus haut. Et il y a des gens comme ça qui sont comme Joseph et qui n'ont pas compris qu'ils sont une solution. Dieu a investi en vous. Parfois c'est une compétence, parfois c'est un caractère. Et ce que Dieu attend de vous, c'est que vous puissiez réaliser que vous n'êtes pas quelqu'un qui fournit de l'approvisionnement, mais c'est que vous-même, Dieu a fait de vous un Christ. C'est-à-dire que les gens, quand ils cherchent Jésus, ils savent que vous aurez toujours la solution. Quand les gens se retrouvent sous l'oppression, ils savent que s'ils viennent chez vous, vous allez être délivrés. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, pasteur, vous savez, alors que vous êtes en train de parler, c'était pendant les formations, après une formation, la personne, une femme, elle m'a écrit, elle m'a dit, pasteur, franchement, rien que votre sourire quand vous venez, parfois je ne suis pas motivée pour venir aux formations, mais dès que vous souriez, je sens la paix dans mon cœur. À chaque fois que je démarre mes formations, je viens, je souris d'abord. J'ai compris que mon sourire même est un instrument de guérison. Il y a quelqu'un qui a besoin de la paix du Seigneur. Donc je m'assois et je souris d'abord. Bien-aimé, vous n'imaginez pas ce que l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts fait en vous. Ce que cet Esprit a fait de vous. C'est pourquoi nous ne devons pas jouer avec l'onction que Dieu nous a donnée. Je vous assure, nous devons faire attention à l'onction que nous avons reçue. La même onction vient pour bénir, la même onction vient pour juger. On le voit lorsque Élie établit les rois et le prophète Élisée. La Bible déclare que le Seigneur s'adresse à lui et lorsque le Seigneur lui parle, il lui dit, il faudrait que tu établisses Hazaël, Jéhu comme roi de Syrie d'Israël et tu établisses Élisée prophète à ta place. De telle sorte que celui qui échappera à l'épée d'Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et si quelqu'un échappe à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. En d'autres termes, ce qui se passait, c'est quoi? Souvent les gens disent que le Seigneur n'a pas permis, mais il y en a qui disent que ce n'est pas Élie qui a détruit Jézabel. Mais c'est Élie qui a détruit Jézabel. La Bible déclare qu'il vient et il établit ses rois. Qu'est-ce qu'il fait? Il leur donne l'onction. Il leur donne l'onction pour être roi. Il leur donne l'onction pour être prophète. Mais quelle onction? L'onction que Dieu lui a donnée. Et de telle sorte que plus tard, la Bible nous enseigne que c'est Jéhu qui règle les comptes de Jézabel. Mais qu'est-ce qui se passe pour qu'il le fasse? Il fallait qu'il reçoive l'onction d'Élie. Il y a eu un transfert d'autorité, il y a eu un transfert de pouvoir. Parce que Élisée n'était pas l'ennemi de Jézabel, c'est Élie qui était l'ennemi de Jézabel. Sauf que Élisée n'avait pas l'onction, le pouvoir nécessaire pour détruire Jézabel. Donc il fallait que son mentor, son père spirituel lui communique l'onction. Parce que pour chaque saison que vous traversez, il y a un ennemi que le diable relâche contre vous. Et Dieu vous donne l'onction pour cette saison. Pour chacune des saisons que vous traversez, Dieu vous donne l'onction pour cela. Et lorsque Élie se lève en Israël pour servir le Seigneur, Jézabel se lève contre lui. Et Jézabel, son objectif, comme elle dit à son mari, c'était que la tête d'Élie tombe. Et ce qui fait qu'Élie, même quand le Seigneur le sort, le fait partir de la terre,
mais il relâche son onction. Et c'est cette onction qui vient régler les comptes de Jézabel. La même onction vient pour la royauté. La même onction vient pour le jugement. La même onction. Et on le voit tout au long de l'histoire même de Moïse. Lorsque Moïse est là en train de paître le peuple, le troupeau, alors qu'il est en train de parler au peuple d'Israël, de la grâce que ce peuple a eue de rencontrer le Seigneur, la grâce que ce peuple a eue que Dieu le sorte des griffes de Pharaon. Le peuple est endurci. La Bible dit que pendant que Moïse met tous ses efforts pour mettre ce peuple au large, c'est un peuple qui continue à se plaindre. Ils avaient toujours quelque chose à dire. Et pendant que le Seigneur est en train de manifester sa grâce, parce que Moïse supplie Dieu à un moment donné, il lui dit que non, écoute, il ne faudrait pas que tu détruises son peuple, ce peuple. Qu'est-ce que les gens vont dire? Tu les as sortis d'une nation comme l'Égypte pour le faire mourir dans le désert. Les gens vont dire, mais c'est quoi ce Dieu? On voit un intercesseur qui connaît Dieu, qui parle au Seigneur et qui dit à Dieu que c'est pas possible que tu fasses ça. C'est quand même toi, Dieu. Qu'est-ce que les gens vont dire à ton sujet? Hein? Un peu comme les enfants, lorsqu'ils veulent absolument quelque chose, ils commencent à envoyer les éloges là aux parents et tout. Hein? Et pendant que Moïse est en train de faire la même chose avec Dieu, Moïse est en train de dire au Seigneur que toi, tu es le grand Dieu d'Israël. Quand le peuple est en train de traverser le désert, et il passe de nation après nation, la Bible dit que le Seigneur pouvait les faire passer par la nation des Philistins. Là. Mais le Seigneur, non. Parce que la Bible dit, Dieu ne veut pas n'a pas voulu les faire passer par les Philistins parce que c'était court. Il craignait, la Bible dit, que le peuple ne se retracte et dise que nous sommes juste à côté, on va repartir en Égypte. Et donc, Dieu leur fait faire un détour. Et pendant ce détour, le peuple se plaint. Le peuple est tout le temps en train de murmurer. Et on voit un Moïse, comme la Bible dit, un homme fort patient et qui est en train de dire à Dieu, tu ne peux pas détruire ce peuple. Tu as mis tellement de moyens pour sortir ce peuple d'Égypte que tu ne vas pas le faire mourir dans le désert. À un moment donné, le Seigneur dit que bon, c'est bon. Mais à un moment donné, ce peuple revient à la charge. Et il continue de crier, de se plaindre. Et le Seigneur dit que c'est bon, je vais le détruire, je vais ouvrir la terre hein, et je vais le faire mourir dans le désert. Moïse monte encore au créneau et là, à un moment donné, il dit au Seigneur que toi, tu es le Dieu vivant d'Israël. Tu es le roi, tu es le souverain des rois de la terre. Et tu ne peux pas faire en sorte que les gens détruisent ta réputation. Moïse, ce qu'il est en train de faire en tant qu'intercesseur, il est en train d'élever le nom du Seigneur. Il monte dans une dimension d'adoration. En train de dire à Dieu que toi, tu es le grand Dieu d'Israël. Comment est-ce que les gens vont se dire aujourd'hui que Israël est un petit Dieu? Tu ne peux pas le faire. C'est la même chose que Abigaïl faisait lorsqu'elle est en train de s'adresser à David dans 1 Samuel 25. Alors que David est en colère parce que Nabal n'est pas reconnaissant, David demande à Nabal de lui donner juste un espace, de lui donner des provisions. Nabal manque de reconnaissance alors que David et toutes ses troupes avaient pris soin de ses serviteurs. Et là, Nabal lui dit que qu'est-ce que j'ai à faire des serviteurs qui s'enfuient de la maison de leur maître, en train de traiter David de fuyard. Et là, David lui dit que ben, si c'est ça, ben, on va voir si demain à la même heure ta tête est sur tes épaules. Quand les serviteurs de Nabal entendent ça, ils repartent vers Abigaïl. Ils lui disent que là, notre vie est vraiment sur le fil du rasoir. Si tu n'interviens pas, demain, il ne restera personne de nous. Quand Abigaïl vient vers David, la Bible dit qu'elle prend des présents. Elle vient vers David et elle dit à David que tu ne peux pas. Toi, aujourd'hui, à qui le Seigneur a parlé, le Seigneur a dit que tu seras chef de sa maison demain. Toi, tu ne peux pas faire ce que tu as résolu dans ton cœur. Que tu puisses tuer quelqu'un sur le champ de bataille, d'accord. On dira que tu l'as fait parce que tu es un guerrier, c'est tout à fait normal. Mais que ça soit sous la colère, souviens-toi que Dieu a dit que tu seras sur le trône. Souviens-toi de ta destinée. Souviens-toi de ce que Dieu a dit sur toi. On ne dira pas demain. Il ne faudrait pas qu'on dise demain que tu as du sang innocent entre tes mains. Je ne sais pas à qui Dieu veut parler ce soir par rapport à sa famille. Pendant que j'étais en train de prier pour ces temps, le Seigneur était en train de me dire qu'il y a quelqu'un qui a mis des moyens et des moyens pour sa famille. Quelqu'un qui s'est investi, qui s'est privé pour pouvoir donner du confort à sa famille. Mais en retour, vous avez reçu des critiques. Vous avez reçu il y en a qui vous ont même discrédité. Vous avez entendu des personnes que vous avez nourries cracher sur vous.
Et le Seigneur vous dit ce soir que le même Dieu qui vous a poussé à pouvoir poser cet acte, c'est le même Dieu qui va vous justifier. En 2023, Dieu va vous justifier. Dieu va vous justifier. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions aujourd'hui rentrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. En tant qu'étudiant, j'aimerais vous dire ce soir que Dieu vous appelle à être des étudiants de distinction. Les étudiants distingués qui vont recevoir des mentions, que vous ne puissiez pas travailler pour avoir de la moyenne, mais pour que Dieu vous distingue au milieu de votre génération. Qu'en 2023, on puisse dire oui, c'est vraiment de la distinction qu'ils ont reçue. Ils ne se sont pas contentés d'avoir une moyenne pour maintenir leur bourse pour certains, ou juste pour qu'on dise qu'ils sont passés en classe supérieure, mais qu'ils se rendent compte que Dieu a un plan pour eux, pour des générations. Que vous êtes les médecins que Dieu attend dans la société. Vous êtes les avocats que Dieu attend pour demain. Vous êtes les hommes et femmes d'affaires que Dieu attend. Donc c'est aujourd'hui que vous devez y travailler. C'est aujourd'hui que vous devez y travailler. Dans votre domaine de prédilection, là où Dieu vous appelle, c'est maintenant que vous devez y travailler pour être les meilleurs. Il ne faudrait pas qu'en 2023, on se demande pourquoi est-ce que vous êtes à ce niveau, mais que l'on puisse aussi voir ce que vous avez entendu. Qu'est-ce que vous avez entendu en 2023? Qu'est-ce que Dieu, en 2022, qu'est-ce que Dieu a dit concernant votre destinée? Et nous voulons voir les œuvres de Dieu, comme les enfants d'Israël qui voyaient les œuvres de Dieu. Dans votre vie, nous voulons voir les œuvres de Dieu. Dans la vie d'une famille ici, nous voulons voir les œuvres de Dieu, ce que Dieu va manifester alors qu'on a entendu Dieu durant cette conférence vous parler. Mais il y a des gens, alors que Dieu parle, ils ne croient pas à ce que Dieu est en train de dire. Il y a des gens qui endurcissent leur cœur. Le peuple d'Israël, à un moment donné, était opprimé par le roi de Syrie. Samarie était assiégée. Et la Bible déclare, c'est dans Deux Rois au chapitre 7. Dans Deux Rois au chapitre 7, la Bible nous enseigne, nous parle d'une histoire du peuple d'Israël qui est assiégé par ses ennemis. Alors que Samarie est assiégée, les gens ne sortent plus pour acheter de la nourriture à l'extérieur. Donc, la nourriture devient chère. Et le roi d'Israël est dépassé par la situation. Au point où il y a une femme, il y a tellement de famine qu'il y a une femme avec sa voisine, elles s'entendent pour manger carrément leurs enfants. Et il y a une qui dit que bon, on commence par ta fille, ton fils. Et là, il mange son enfant. Et quand son tour arrive, elle dit que non, c'est pas possible, jamais. Cette dame va se plaindre auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël, que si même Dieu qui est assis au ciel ne te sauve pas dans cette situation, qu'est-ce que moi je vais faire? Tellement il était dépassé par la situation. À un moment donné, il dit, mais il n'y a plus de prophète ici. C'est là qu'il se souvient que Dieu a donné des prophètes à son peuple. Parce qu'il ne va plus bien, ça ne va plus du tout. C'est là qu'il se demande si Dieu n'agit plus. Et les gens lui disent, mais il y a Élisée là, le gars qui versait l'eau sur les mains d'Élie là. Et quand il s'avance vers Élisée, le Seigneur lui montre depuis sa chambre que le roi est en train d'arriver. Avant même qu'il n'arrive, ses serviteurs s'annoncent. Vous savez, un roi, il y a d'abord, vous voyez le cortège d'abord arriver avant que le roi lui-même ne se présente. Parfois, il arrive des heures même avant le roi. Avant même que le roi n'arrive, donc Élisée s'adresse au cortège et il lui dit que demain, à la même heure, vous mangerez à satiété. Et le roi est en train d'arriver et la Bible dit que l'officier sur la main duquel le roi s'appuyait a répondu. C'est-à-dire que quand le roi est sur son char, il y a un officier, avant que le roi ne descende, il y a l'officier qui descend et qui tend sa main comme ça. Moi, j'ai vécu dans une monarchie, vous comprenez mieux ce genre de choses. Il tend sa main et le roi, avant de descendre, il s'appuie sur la main de cet officier. Et donc, la Bible dit que l'officier sur la main duquel le roi s'appuyait, donc sa garde rapprochée, la Bible dit que si l'Éternel ferait des fenêtres au ciel. Il dit que si l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. Il est en train de dire à Élisée que depuis longtemps, on ne mange plus, la nourriture coûte cher, et toi tu dis que demain, la nourriture coûtera quelques centimes. Comme ça. Mais tu sors d'où en fait? Tu vis sur quelle planète? Comme ça. Et puis depuis longtemps, on te cherche, on ne te voit pas, et maintenant qu'on te trouve enfin, tu nous sors un truc comme ça. Quoi. Vous savez, Élisée, c'était le genre de prophète un peu nerveux là. Un gars très nerveux, il ne fallait pas le chercher. Élisée lui dit que tu verras ces choses, mais tu n'y prendras point part. La Bible dit que le lendemain,
Il y a des lépreux qui sont là. Ils ont tellement faim. Ils se disent que bon, si nous on reste là affamés, on va mourir. Si on rentre aussi dans le camp des Syriens, on va mourir. Mais au moins, mourons avec dignité, quoi. On va rentrer dans le camp des Syriens. On va aller chercher à manger. Et quand ces lépreux s'en vont, ils rentrent dans le camp des Syriens. La Bible dit que les ennemis du peuple de Dieu, les Syriens ont entendu des pas d'une armée arriver. Ils ont entendu des chars arriver. Alors que c'était que des lépreux. Des gens qui avaient même peur. Qui se disaient qu'ils allaient même mourir. Vous vous rendez compte? Même dans votre peur, Dieu agit pour vous. Bien-aimés, vous êtes précieux aux yeux du Seigneur. Même dans la peur, Dieu donne des hommes à votre place. Et là, l'armée des Syriens est en train de fuir dans tous les sens. Ils sont en train de dire que ça y est, les Israélites sont allés chercher du renfort. Il faut qu'on fuit. Et les lépreux arrivent, ils se rendent compte qu'il n'y a personne. Mais par contre, il y a la nourriture. Il y a la bouffe à volonté. Ils se mettent à manger, ils ont oublié les frères. Bien-aimé, quand Dieu te bénira, n'oublie pas les frères, s'il te plaît. Dis à ton voisin, ne m'oublie pas quand Dieu va te bénir. Parce que quand je te vois, je sais que Dieu va te bénir. Tu respires la grâce de Dieu. Les lépreux se mettent à manger, ils sont heureux. Ils se mettent à manger. Il y a un qui dit, non, ce qu'on fait là, ce n'est pas bien. Ce qu'on fait n'est pas bien. Il faut qu'on dise aux autres qu'on a trouvé la nourriture. Et donc, ils repartent dans le camp d'Israël. Ils sortent de chez les Syriens. Ils vont dans le camp d'Israël. Et ils disent aux autres que nous avons trouvé à manger. La nourriture à volonté. Quand les frères entendent ça, mais ils avaient tellement faim qu'ils se sont mis à courir de toutes leurs forces. La Bible déclare que l'officier sur la main duquel le roi s'appuyait, il était au portail. Il était là où il ne fallait pas. Il y a des personnes aujourd'hui qui se lèvent contre vous, qui lorsque vous parlez même, vous leur dites que Dieu assurément fera telle chose dans ma vie. Quand ils vous regardent, ils ne voient que l'état dans lequel vous êtes. Ils voient votre misère. Ils voient que vous n'arrivez pas à payer votre loyer. Ils se rendent compte que Dieu parle sur vous depuis des années et des années, comme quoi vous allez vous marier, mais tout le monde attend toujours le mariage en question. Ils entendent parler parfois de votre élévation et ils se disent, mais à quand cette élévation? Par contre, ils vous voient croupir dans les épreuves. Mais de la même manière que cet officier, ils verront des gens courir pour célébrer les prophéties que le Seigneur a déclarées sur votre vie, les paroles que le Seigneur a déclarées pour vous. Et la Bible déclare que lorsqu'ils sont sortis de là, ils étaient tellement agités. Ils étaient tellement pressés que le peuple s'est mis à courir. Et ce monsieur était là au portail. Quand ils sont sortis du portail, ils ont marché sur lui. Ils l'ont écrasé. Et comme Élisée l'a dit, il a vu ces choses arriver, mais il n'a pas mangé. Parce qu'il a méprisé la parole de l'Éternel. Perspective 2023. Que dit Dieu? J'aimerais vous dire que Dieu va dire des choses qui vont vous sembler parfois folles. Dieu va vous dire pour cette année 2023 des choses qui seront invraisemblables pour les personnes qui vous entourent. Parce que ces personnes seront habituées à vous voir dans la misère. Dieu va dire pour vous que cette maladie qui vous opprime depuis des années, en 2023, vous chanterez des chants d'allégresse. Dieu va vous dire que le travail que vous cherchez depuis des mois et des mois en 2023, vous rendrez grâce à Dieu parce que vous aurez le choix de plusieurs entreprises. Dieu va vous dire que votre couple qui bat de l'aile depuis des années va être restauré pour 2023. Pendant que le Seigneur sera en train de vous le dire, bien-aimé, saisissez ces paroles par la foi. Courez avec ces paroles par la foi et déclarez que ce que la bouche de l'Éternel a dit, sa main certainement va l'accomplir au nom de Jésus. Sa main va l'accomplir au nom de Jésus. J'aimerais vous dire qu'en 2023, chers étudiants, le Seigneur va faire en sorte que vous sortiez de l'échec scolaire. Il y en a plusieurs parmi vous, alors que certains n'ont pas passé le cap du baccalauréat, même dans votre famille. Dieu va vous distinguer au milieu de votre famille. Dieu va vous amener au large et vous serez une référence dans votre famille. Pour certains, il y en a, les gens se disent que dans cette famille, on ne se marie jamais. Vous serez la référence. Vous serez la porte pour le mariage dans la famille. Au nom de Jésus.
Vos affaires ont peut-être battu de l'aile pendant des années et des années. J'aimerais vous dire ce soir qu'en 2023, le ciel sera ouvert sur vos vies, sur vos affaires, dans le nom de Jésus. Là où des hommes et des femmes ont déclaré que vous allez échouer, ce sont les mêmes personnes qui vont célébrer le Dieu que vous servez. Là où des hommes et des femmes se sont levés contre vous en disant que vous n'allez pas y arriver, alors que nous, nous avons trimé des années et des années, c'est pas à toi que ça arrivera. Je vous assure que ce sont les mêmes personnes qui vont célébrer le Dieu que vous servez. Là où les gens vous ont mis au placard dans votre entreprise, ce sont les mêmes qui viendront vous chercher. Les mêmes qui ont mis Joseph en prison, ce sont les mêmes qui savaient qu'il était là dans cette prison. Avec toutes ses compétences, les mêmes viendront vous chercher au nom puissant de Jésus. Peut-être que vos entrailles sont fermées depuis des générations. Et on vous a dit que dans votre famille, les femmes n'enfantent pas. Bien-aimés, ce sont les mêmes personnes qui apportera des cadeaux à votre bébé en 2023. Au nom de Jésus de Nazareth. Cette parole est votre partage dans le nom de Jésus. Cette parole est pour vous ce soir, pour vos entreprises, pour vos familles. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Pendant que je priais pour cet an, le Seigneur m'a parlé de quelqu'un qui suit ce programme à la télévision. Dieu est en train de visiter votre corps. Vous êtes en train de suivre ce programme allongé sur votre lit. Le Saint-Esprit vous visite là où vous êtes. Dans le nom de Jésus de Nazareth. La Bible déclare qu'il envoya sa parole et elle les guérit. Et je déclare au nom de Jésus que là où vous êtes guéris au nom de Jésus. De cette cirrhose, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le Seigneur visite les reins de quelqu'un qui suit ce programme en ligne. Le Saint-Esprit vient restaurer vos reins. Alors que vous serez en train de repasser des examens, votre médecin sera étonné de voir que votre rein a été restauré. Je déclare que c'est votre partage au nom de Jésus de Nazareth. Les anges de Dieu parcourent vos maisons ce soir et vous visitent là où vous êtes. La grâce de Dieu est en train de vous visiter. De la même manière que le peuple d'Israël est en train de se multiplier au sein de l'épreuve, Dieu vous multiplie au nom de Jésus. Alors que le peuple était en train de se, sous la domination en Babylone, était en train d'être criblé sous la domination de ses ennemis, la Bible nous enseigne que le Seigneur leur a dit, bâtissez des maisons, plantez des vignes, mariez vos enfants. Pendant que vous serez sous le poids de l'oppression, Dieu sera en train de vous multiplier au nom de Jésus de Nazareth. Vos entreprises vont prospérer dans ces temps difficiles au nom de Jésus. Et les gens ne comprendront pas comment est-ce que vous faites. Je déclare que le Dieu de la distinction viendra vous distinguer là où vous êtes, dans le nom de Jésus de Nazareth. Le Dieu de la distinction va vous propulser au nom de Jésus de Nazareth. Là où tu es, j'aimerais que tu lèves tes mains là où tu es et que tu déclares que le Dieu qui a parlé sur ta vie, sur ta destinée agira. Ces paroles sont certaines, ce Dieu est le Dieu de vérité. Et pour cette année 2023, il relâche des grâces excellentes. Il relâche un vent nouveau pour la distinction dans le nom de Jésus. Il relâche un vent nouveau et il souffle sur tout ce qui vous oppresse dans le nom de Jésus de Nazareth. La Bible nous enseigne que Jésus a déclaré, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Je viens vous annoncer ce soir que l'esprit de guérison vous guérit au nom de Jésus. Je vous annonce ce soir que l'esprit de distinction vous distingue au nom de Jésus. Je vous annonce ce soir que la grâce de Dieu agit ce soir en votre faveur. Dans le nom de Jésus, que toutes les paroles de malédiction qui ont été prononcées contre vous soient brisées au nom de Jésus. Élève ta voix et prophétise sur ta situation ce soir. Élève ta voix et parle sur ta situation ce soir. 2023 ne sera pas 2022 dans le nom de Jésus de Nazareth. 2023 ne sera pas 2022 au nom puissant de Jésus. La grâce de Dieu vous distingue. La grâce de Dieu vous visite, visite vos maisons dans le nom de Jésus de Nazareth. La grâce de Dieu saisit de vos enfants. Je vois une maman qui pleure pour ses enfants. Le Seigneur te dit ce soir que tous tes fils seront disciples de l'Éternel. C'est ton partage au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bienvenue Saint-Esprit dans cette conférence Nouvel An. Bienvenue Saint-Esprit avec les cadeaux que tu relâches du ciel. Bienvenue Saint-Esprit pour cet an. Merci pour la restauration. Merci pour la guérison. Merci pour la vie en abondance.
au nom de Jésus de Nazareth. Prophétise ce soir, bien-aimé. Prophétise. Nous sommes dans une conférence prophétique. Prophétise au nom de Jésus. Oh, parle, parle, parle. Ne t'éteins pas ce soir. Parle sur ta situation. Parle ce soir. Ne te tais pas sur cette situation. Parle, parle ce soir. Parle au nom de Jésus. Yenderebose kayama santa karebose. Orebose kayama santo. Alors que Jésus a été distingué par le Saint-Esprit, ce soir, Dieu relâche une onction pour vous distinguer. Au nom de Jésus. Yenderebose kayama santa karebo. Élève la voix et parle. Élève la voix et prophétise au nom de Jésus. Les malades sont guéris durant cette conférence au nom de Jésus. Les sourds entendent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu ouvre les frontières à plusieurs. Orebose kayaba sandala basede le boshe le keso de roboshe yanda rakasende le keshe le keso yondo robose. J'ai vu plusieurs hommes d'affaires, plusieurs femmes d'affaires à qui Dieu ouvre les frontières des nations. Le Saint-Esprit multiplie ce qu'il a mis entre vos mains. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, recevez dans le nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus de Nazareth. J'ai vu le Saint-Esprit équiper plusieurs dans le ministère de l'intercession prophétique pour enfanter les projets de Dieu. L'Esprit de Dieu vous visite ce soir au nom puissant de Jésus. Il relâche son onction ce soir. Il relâche son onction ce soir. Je vois quelqu'un qui a des douleurs dans le dos. Le Saint-Esprit vient toucher ton dos ce soir. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Le Seigneur te guérit parce qu'il a besoin de ton corps pour le servir. Tu es guéri au nom de Jésus. Je vois le Saint-Esprit visiter les entrailles ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu veut que tu ouvres la bouche et que tu parles ce soir. Alors parle pendant que les chants sont en train de conduire ce chant. Parle ce soir. Ouvre la bouche et parle sur ta situation. Ouvre la bouche et parle. Vous qui nous suivez en ligne, là dans vos maisons, parle sur ta situation. Il agit encore ce soir. Il guérit encore ce soir. Il restaure encore ce soir. Le ciel est ouvert en ce lieu. Alléluia. Alléluia. Sur cette conférence, au nom de Jésus de Nazareth, l'onction se répand, l'onction se répand, il guérit, Le ciel est ouvert, les anges de Dieu montent et descendent.
Le Seigneur me dit à l'instant, parce que c'est une conférence prophétique, il relâche l'onction prophétique sur chaque personne qui sera connectée à ce programme. L'onction de Dieu vient pour vous affermir. L'onction de Dieu vient pour vous fortifier. L'onction de Dieu vient pour vous justifier. Son onction vient pour vous justifier, pour vous guérir. Son onction donne des hommes à votre place. Je déclare ce soir que vous recevez l'onction de Dieu selon les besoins qui sont les vôtres, dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Cette onction vient vous toucher ce soir. Cette onction vient vous visiter ce soir. Merci Saint-Esprit pour ta présence au milieu de nous. Merci pour le ciel qui est ouvert en ce lieu. Merci pour le ciel qui est ouvert en ce lieu. Élève ta voix et déclare ce soir, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. L'onction de Dieu est ici. Les anges de Dieu sont ici. Le Seigneur agit encore. Il agit, agit, agit. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Les anges de Dieu montent et descendent. Les anges montent et descendent. L'onction se répand. L'onction se répand. Est-ce que tu peux te tenir debout là où tu es, s'il te plaît? Tiens dans le bout, tiens dans le bout, tiens dans le bout. Tiens dans le bout, tiens dans le bout. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose ce soir. Les anges montent et descendent. Il se passe quelque chose à cet endroit. L'onction se répand. Il se passe quelque chose ce soir. Il se passe quelque chose. Oh my God. Il se passe quelque chose en cet endroit ce soir. Dieu a décidé de te visiter. Le Saint-Esprit a décidé de te visiter. Alléluia. Alors que tu chantes ce cantique, réalise les paroles, réalise les paroles. Les chantres vont le chanter entièrement. Réalise les paroles. L'onction se répand. Déclare ces paroles de façon prophétique dans ta vie, tu guéris dans ta famille. Et ensuite, après avoir chanté ce chant en intégralité, nous prenons un temps d'intercession. L'onction se répand. Alléluia. Les chantres vont chanter ce chant de façon intégrale. Et à la fin, nous allons prier. Dans tout ce que le pasteur Nina a prêché ce soir, dans tout ce que le Saint-Esprit a dit à travers sa bouche, il y a certainement des choses, des points qui vous ont particulièrement touché. Il y a des phrases qui vous ont percuté. Il y a des révélations qui vous ont ouvert l'esprit. Particulièrement moi, il y a une phrase qui m'a percuté. C'est lorsque elle a parlé de Joseph, lorsque Pharaon a dit de Joseph qu'il était l'approvisionnement de toute la nation. Ça m'a fait penser à ce que Dieu va dire à Abraham. Il va dire, je fais de toi une source de bénédiction pour les nations. À l'instant, j'ai dit, Seigneur, fais de moi cette source d'approvisionnement, cette source qui va approvisionner. Fais de moi cette source de bénédiction. En cette année 2023, je te prie, Seigneur, de faire de moi une source qui va approvisionner, une source de bénédiction qui va approvisionner ma famille, qui va approvisionner mon église locale, qui va approvisionner ma nation et qui va approvisionner les nations du monde. Je ressens que nous puissions prier dans cette direction. Je sais que vous avez retenu beaucoup de choses. Je sais que vous avez pris plusieurs notes. Je sais que vous avez noté plusieurs choses qui vous ont touché. Mais j'ai eu à cœur que nous puissions prier ensemble par rapport à cet aspect. Que 2023 soit pour nous une année où Dieu fait de nous une source de bénédiction
qui va approvisionner nos familles, qui va approvisionner nos assemblées locales, qui va approvisionner nos nations. Prie en langue à l'instant, pendant que les chants sont en train de chanter ce cantique. À vous les chants. Alléluia. Entre dans une intercession prophétique. Alors que nous nous tenons aux portes de la nouvelle année, le ciel est ouvert. Oui, Seigneur, nous soupirons. Après ta présence, ouvre le ciel. Ouvre le ciel. Seigneur. Oui, Seigneur. Nous soupirons. Nous soupirons. Après ta présence. Alléluia. Ouvre le ciel. Ouvre le ciel, Seigneur. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Libère ta grâce. Alors que nous nous tenons aux portes de l'année 2023. Relâche ta gloire. Libère ta grâce. Et fais-nous entrer dans une nouvelle saison de pleine grâce abondante. Oh, massacre de Réma. Je te suis. Embrasse-nous. Pour te servir à cette nouvelle année 2023. Dieu, embrasse-nous. Pour ta gloire. Esprit. Seigneur, nous soupirons. Seigneur. Oui, Seigneur. Nous soupirons. Ton peuple soupire. Après ta présence, ouvre le ciel. Ouvre le ciel. Seigneur, oh Seigneur, nous soupirons. Nous soupirons. Après ta présence, ouvre le ciel. Ouvre le ciel. Révèle-toi. Relâche ta gloire. Relâche ta grâce. Libère ta grâce. Relâche ta gloire et libère ta grâce. Sur les familles. Ici représentées. Saint-Esprit. Embrasse-nous le feu. Pour ta gloire. Oui, Seigneur. Pour ta gloire. Esprit, relâche ta gloire. Esprit, relâche ta gloire. Saint-Esprit, embrase-nous. Embrase-nous le feu. Alléluia. Pour ta gloire. Pour ta gloire. Esprit, relâche. Le ciel est ouvert en ce lieu. Le ciel est ouvert. Les anges montent et descendent en ce lieu. L'onction se répand. L'onction se répand. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Les anges de Dieu montent et descendent. Les anges descendent. L'onction se répand. L'onction se répand. Tu guéris. Tu guéris. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Les anges de Dieu montent et descendent. L'onction se répand. Il guérit. Tu guéris. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Les anges de Dieu montent et descendent. Les anges montent et descendent. L'onction se répand. L'onction se répand. Les anges montent et descendent. L'onction se répand. L'onction se répand. Quand Jésus guérit. Alléluia. Le ciel est ouvert. Les
anges trompés conscience répand. Tu guéris, ange étoile, le ciel est tout ouvert. Les anges montent les anges, l'onction se répand. De il y a une atmosphère spéciale. En ce début de conférence, une nouvelle an, quelque chose se passe en ce endroit. Intercession afin que Dieu fasse de nous ces sources d'approvisionnement pour nos vies, pour nos familles, pour nos assemblées locales, pour nos nations et pour les nations de la terre. Sentir pastor vas-y, alors que nous nous tenons au port de cette nouvelle année, Seigneur, nous venons prier. Élève ta voix pour ta famille. Chasse l'esprit de mort. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous chassons tout esprit de mort. Aux portes de 2023, nous mettons dehors tout esprit de mort avec toute sa cohorte d'esprits méchants, esprit de maladie, esprit d'accident. Dans le nom de Jésus de Nazareth, esprit de complot satanique. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Yere bose kaya masanta. Yere bose keshi kaya masanta. Esprit de mort. Esprit de maladie. Au nom de Jésus. Nous nous chassons au nom de Jésus. Nous chassons l'esprit d'échec. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous déclarons la réussite des étudiants au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus, nous brisons l'échec scolaire. Au nom de Jésus de Nazareth, nous déclarons que tout échec qui a été arrêté contre la vie des étudiants pour 2023 est brisé dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus.
de stérilité. Je te chasse au nom de Jésus. Toi qui sévis contre les entreprises, contre les entrailles, dans le nom de Jésus de Nazareth, je déclare que tu n'as plus part dans la vie des enfants de Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je viens briser toute malédiction sur vos vies. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise toute malédiction qui a été prononcée contre votre destinée au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Toute malédiction qui a été déclarée contre les familles. Toutes ces malédictions sont brisées. Toute parole de malédiction est révoquée ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'appelle la gloire de Dieu. Yes. La gloire de Dieu sur vos vies. Come on. La gloire de Dieu sur vos maisons. Que le poids de sa gloire tombe sur vous ce soir. Au nom de Jésus. Que le poids de sa gloire tombe sur vous. Dans le nom de Jésus. L'Esprit du Dieu souverain. Viens et fais que ta présence révèle la gloire du Dieu vivant. Sa gloire descend ce soir sur vos maisons. Ô Esprit du Dieu souverain, viens et fais que ta présence révèle la gloire du Dieu vivant. Esprit du Dieu souverain, Esprit du Dieu souverain, viens et fais que ta présence révèle la gloire du Dieu vivant. Sa gloire est ici. Esprit du Dieu souverain, Esprit du Dieu souverain, viens et fais que ta présence révèle. Alléluia. La gloire du Dieu vivant. Proclame ces paroles sur ta maison. Alléluia. Esprit du Dieu souverain, Esprit du Dieu souverain, oh, viens et fais que ta présence révèle la gloire du Dieu vivant. Cette gloire répand sur tes entrailles. Disons Esprit du Dieu souverain, Esprit du Dieu souverain, viens et fais que ta présence révèle. Alléluia. Que les lois de ton royaume
Que la gloire de Dieu remplisse nos églises en cette année 2023. Que ce qui s'est passé à l'époque de l'église primitive dans les actes apôtres se produise de nos jours. Que 2023 soit une année de démonstration de la puissance de Dieu, la manifestation de la gloire de Dieu à un niveau qu'on n'a encore jamais expérimenté. Ensuite, prie pour ta nation afin que le poids de la gloire de Dieu descende dans ta nation et dissipe les ténèbres. Il a dit, voici un peuple qui était assis dans les ténèbres. J'ai vu une grande lumière apparaître. Je peux voir la lumière apparaître dans nos nations, là où les ténèbres ont régné, alors que nous sommes prosternés devant le trône de la grâce et devant nos voies et prions. Que ta gloire tombe sur notre nation. Nous t'apportons nos familles, sur notre nation, nous t'apportons nos assemblées locales, nous t'apportons nos nations devant le trône de la grâce. Que ta gloire tombe sur notre nation. Que 2023 soit une année d'éclat de ta gloire. 2023 une année de l'éclat de ta gloire. Dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises, dans nos nations. Oui, que 2023 soit une année de l'éclat de ta gloire. Dans nos vies, dans nos notre familles, Père, dans nos nations. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Que ton règne vienne. Que la sainteté de ton nom soit reconnue. Alléluia. Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que la sainteté de ton nom soit reconnue, que ton règne vienne, que la sainteté de ton nom soit reconnue, que ton règne vienne sur nos nations, que ton règne vienne sur l'Église. Ô notre Père qui es aux cieux, que la sainteté de ton nom soit reconnue, Seigneur. Alléluia. Orebose que China la santa. Alléluia. Yene rebose cachene bo santa. Alléluia. Yeah. Alléluia. Disons ensemble notre Père qui es aux cieux. Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Notre Père qui es aux cieux, notre Père qui es aux cieux. Alléluia. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite sur la terre.
Lève-toi là où tu es. Lève le nom de Jésus. Que sa volonté soit faite. Que ta volonté soit faite sur la terre. Encore une fois, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ton règne. Notre Père qui es aux cieux. Notre Père qui es aux cieux. Alléluia. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Que ta volonté soit faite. Sur la terre. Sur la terre. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre. Alléluia, Église, disons que ton règne vienne. Que ton règne vienne sur cette terre. Alléluia. Cette terre de France. Que ton règne vienne, que ton règne vienne. Alléluia. Cette terre de France. Disons que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Alléluia. Cette terre de France. Cette terre de France. Oh oui, cite le nom de ton pays, disons que ton règne vienne, Seigneur, sur cette terre du Gabon. Alléluia. Que ton règne. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit élevé. Sur la terre. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Sur la terre. Est-ce que quelqu'un peut acclamer royalement Jésus ce soir? Acclame le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Tu es une source de bénédiction pour ta famille. Tu es une source de bénédiction pour cette nation. Tu es une source de bénédiction pour ta nation. Tu es une source de bénédiction pour cette église. Alléluia. C'est juste waouh. Joseph était devenu une source d'approvisionnement pour tout le pays. My God. Alors que le pasteur Nina était en train de prononcer ces paroles, j'ai senti dans mon cœur mes entrailles vibrer. Alléluia, j'ai compris qu'il s'agissait de moi. Alléluia, je suis une source d'approvisionnement pour tout le pays. Alléluia. Et c'est pourquoi, bien-aimé de Dieu, en cette année 2023, tu dois prendre cette décision, toi aussi, d'être cette source d'approvisionnement pour le pays, pour ton église, pour ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Alors, sous cet élan, bien-aimé, nous allons nous connecter à cette grâce. Vous savez, lorsque Dieu dit que nous sommes une source d'approvisionnement, c'est ce que nous sommes réellement. Alléluia. Et nous allons ce soir nous connecter à cette grâce. Je parle également à tous ceux qui nous suivent en ligne. Nous allons offrir à Dieu nos offrandes et nos dons. Nous allons approvisionner. Dis avec moi, approvisionner. Nous allons approvisionner. Nous allons pratiquer cette parole. Alors,
J'aimerais qu'on nous apporte donc les corbeilles. Vous avez la possibilité d'offrir à Dieu donc vos offrandes. Il y a les bien-aimés du protocole qui ont des enveloppes. Vous pouvez récupérer les enveloppes pour ceux qui en ont besoin. Vous avez aussi la possibilité d'offrir à Dieu par terminal de paiement, donc pour ceux qui ont des cartes bancaires. À ma droite, avec la CSP Vanessa, vous pouvez aussi vous rapprocher d'elle pour pouvoir offrir à Dieu par carte bancaire. Pour ceux qui nous suivent en ligne, vous avez le lien qui apparaît, moneglisseive.net. Vous avez également la possibilité d'offrir à Dieu via carte bancaire sur le lien qui vous est communiqué. Alors, pour ceux qui font des chèques en ligne, il y a aussi un numéro qui s'affiche. Vous pouvez simplement envoyer vos chèques à l'adresse, donc au 244 avenue de Thouars, Talence. Alléluia, pour ceux qui veulent offrir, qui sont au loin, qui veulent offrir par chèque. Si vous avez des chéquiers sur place, vous pouvez aussi déposer vos chèques. Alléluia. Nous allons simplement nous connecter à cette grâce ce soir, dans cette atmosphère de louange et de joie. Nous allons offrir à Dieu. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Nous allons apporter nos offrandes au Seigneur avec joie et le bénir pour ce qu'il a accompli ce soir dans nos vies. Je bénis l'Éternel pour tous ses offrandes. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Dis-le encore. Je bénirai l'Éternel pour tous ses offrandes. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai. Je bénirai l'Éternel pour tout. Tout ses Je bénirai l'Éternel pour tout, tous ses offrandes. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses offrandes.
Pousser des cris de joie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Il nous a fait du bien ce soir. Est-ce que quelqu'un a été béni? Si tu as été béni, lève ta main comme ça. Alléluia. Wow. Wonderful. Vous savez, cette conférence commence fort. Hein? Ah, my God. Un niveau de révélation terrible. Alléluia, la révélation, l'onction, la présence de Dieu, c'est juste extraordinaire. Alléluia, il y a des choses qui ont commencé à se faire déjà, alors demain, ne rate pas. Nous bénissons la vie du pasteur Nina, qui nous a encore vraiment fait énormément du bien au travers de la parole. Merci pasteur Nina pour ce que tu es, merci pour ces révélations, merci pour vraiment ce que nous avons reçu. Nous rendons grâce à Dieu, nous sommes reconnaissants pour ta vie, que Dieu te bénisse. Alléluia. Alors la conférence continue demain, donc à partir de mercredi 28 jusqu'au vendredi, tous les midis, il y aura des talk shows sur notre chaîne YouTube. Donc vous pourrez, soyez attentifs hein, lorsque vous recevez la notification, vous savez la notification du live. Demain à partir de midi, il y aura un talk show, donc jusqu'à vendredi. Ces talk shows vont porter jeunesse sur les hommes et sur les femmes. Alléluia. Le samedi 31, donc de 14h à 16h, nous aurons une cérémonie donc de remise de diplôme aux étudiants pasteurs. Et le samedi 31, à partir de 20h, nous avons notre nuit de traversée. Alléluia. Et après la nuit de traversée, donc, il y aura un gala. Inscrivez-vous. Inscrivez-vous. Vous avez certainement commencé à recevoir les modalités d'inscription. Le dernier délai, c'est jeudi, je pense. C'est bien ça? Jeudi midi maximum, c'est le dernier délai pour les inscriptions au gala. Donc inscrivez-vous. Inscrivez-vous rapidement si vous n'avez pas reçu de message ou vous n'avez pas reçu le message qui a été envoyé. Rapprochez-vous de nous rapidement à la fin pour qu'on vous donne toutes les modalités. Alléluia. Alors demain, ne venez pas seul, venez avec une personne. Faites-vous violence d'inviter quelqu'un demain pour participer à cette conférence. Dieu va encore faire de grandes choses. Alléluia. J'aimerais inviter ici le docteur Aymar pour venir faire la prière de clôture. Est-ce qu'on peut l'encourager pour, alors qu'il s'avance, pour venir nous recommander à la grâce de Dieu?
à Dieu. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît? Nous allons lever nos mains vers le ciel, non seulement en signe d'abandon, mais aussi en reconnaissance à Dieu pour ce qu'il a fait ce soir. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce que tu as fait, pour toutes ces personnes ici présentes que tu as visitées, pour toutes ces personnes qui sont connectées que tu as visitées, pour toutes ces familles, Seigneur, connectées que tu as visitées. Seigneur, merci pour les restaurations, merci pour la guérison, merci pour les réparations, merci pour les réconciliations. Merci Seigneur pour cette nouvelle saison de 2023. Merci éternel Dieu des armées pour les portes que tu as ouvertes que personne ne pourra fermer. Merci pour ta faveur qui nous accompagne Seigneur au sortir de cette année. Merci parce que tu nous fais entrer dans 2023 comme des flèches que tu propulses pour prendre possession Seigneur des territoires que Satan s'était approprié. Merci parce que tu fais de nous des sources de bénédiction pour nos nations, pour nos familles, et nous déclarons que nous sommes bénis, nous déclarons que ta faveur nous accompagne, et nous pouvons dire comme David, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout au long de cette année 2023. Nous déclarons, Père, que cela est notre partage. Merci, Père éternel, merci parce que nous sommes bénis, merci parce que nous sommes prospères, merci parce que c'est une nouvelle saison pour chacun de nous. Reçois la gloire et l'honneur, la louange et l'adoration. Maintenant que nous quittons ces lieux, Père, nous prions que ton armée invisible nous escorte chacun sur son chemin. Nous prions que tu nous précèdes chacun afin que tu aplanisses nos sentiers et que tu disposes toutes choses en notre faveur. Sois élevé, sois glorifié. Béni sois-tu, c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.